Bonjour Momo Stone. Bonjour Nadi. Le PDG Boumian Dieu-Léa. Ouais. Bonsoir Momo Stone. Merci Viviane. Moi aussi, Momo Stone, j'aime la partie là. Merci, Noël. Noël Mosella, bonjour. Nia Steven, tu t'envoies ici. Je suis au calme. Merci pour les cœurs. Pardon, Nia Steven. Je ne dis pas merci. Merci beaucoup mon commissaire Bernard Matiengui, le commissaire priseur. J'ai passé un dimanche trop mouvementé. J'ai même pas pu faire le direct parce que faut pas mélanger vie privée et vie familiale. Hier, il y a Papa Podia qui a invité son chef, son patron et ses collègues. Papa peut nous inviter. Bonsoir Chantou Belinda. Go Asikandolo Agodayo. Yvonne Darel, bonjour. Agotio Fao. La fille à Chacha. J'ai envie de te dire que tu me manques. J'ai envie de te dire que tu me manques. J'ai envie de te dire que tu me manques. C'est le nom de Netakamo, Netakamo. Je t'ai manqué. Michel Apevga, comment tu vas, ma fille?
sonne là qui s'est en bas. Oh, eh, Andolamio, et ta candolo, c'est wassa so. Eh, Andolamio, on est ta candolo, et wassa so. Wassa, wassa, chouo, chouo, chouo. Wassa, wassa, chouo, chouo. Wassa, wassa, chouo, 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 chouo. Wassa, wassa, chouo, chouo, chouo. Qui me manque? Président, bois balai, les ouais. J'ai envie de dire que tu me manques. J'ai envie de dire que tu me manques. J'ai envie de te dire que tu me manques. Il y a des défaites pour être calme. Lita. Véronique. Bonsoir, Lena Boston. Ça va bien, ma blanche. Ta candolo. J'ai vécu la tête, et sans toi, oh, je suis ambitieux. Chouo, chouo, wassa, wassa, chouo, chouchouo, c'est Big Benji. Chouo, on dit quoi, Lina? Chouo, choué. Maman, j'ai passé un week-end hier, hein. J'ai même pensé à faire la vidéo. Après, dit non, ça c'est ma vie privée. J'ai passé toute la journée en cuisine. Papa, pour inviter son chef, son patron, ses collègues. Maman, ils sont partis ici à 3h du matin. La femme de son chef aussi. J'ai fait à manger, j'ai fait le doulet, j'ai fait le poisson brisé, j'ai fait tout ça seul. J'ai fait 10 poissons brisés, j'ai fait le doulet. Florent Diamène, bonjour ma soeur. J'étais fatiguée hier, maman. On a passé une belle soirée. Chouchou, wassa, chouchou, chouchou, wassa, wassa. C'est pas. Moi aussi je suis la Lena. Wassa wassa. Hein? Tu as fait comment? C'est là-bas. Tu étais où? Viens dire bonjour, mais tu n'as pas pu être content. Viens Michel là-bas. Lui a tes lunettes là. Là-bas. Sur la commode là. Enfin, il dit que papa finalement prié, j'ai préparé. Son patron, tu sais ce que son patron m'a dit? Le patron de papa Fodja a dit que il ne va plus me considérer comme Lolo Fodja de Facebook. Oui, j'ai bossé, hein. Il t'a dit, Lena, j'ai bossé. Il m'a dit qu'il va plus me considérer comme Lolo Fodja de Facebook. Parce que Lolo Fodja de Facebook, lui, se faisait une image. Une autre image de moi. Donc, j'ai les filles, voilà, les filles, comme ça, qui n'ont pas de vie, les filles, wassa wassa, les filles têtues là. Mais, dès qu'il est entré chez moi, il repart avec une autre image de moi, de Madame Fodja, pas de Lolo Fodja. Hein, Stéphane? Oui. C'est que son patron m'a dit, hein, qu'il repart avec une autre image de moi, de Madame Fodja, pas de Lolo Fodja de Facebook. Parce que ce qu'il a vu, vraiment, il est très content. Il dit, waouh, je ne pouvais pas imaginer que tu es la femme que je vois là dans la maison. Une femme qui reçoit des gens chez elle dans un endroit confortable, avec de la bonne nourriture bien préparée. Et vraiment, il est ressorti. Henriette Diaye, bon, bonsoir. Il a reçu. Viens dire ici, là. Viens dire ce que.
Viens dire ce que ton patron dit. Dieu non. Ouais, dis d'abord. Ouais, imaginez que tu pourrais une femme pour te parler. Une femme de maison. De maison, que j'en ai une belle maison, que je l'ai. C'est ça, non? Ouais. Qu'il était très content. Ouais. Franchement, j'ai voulu faire. Il m'a beaucoup apprécié. Hein. Franchement, il a dit. Et après, il m'a dit, vous trompez les filles de Facebook. C'est ce qu'il a dit, non, mais quand on trompe les filles de Facebook. Que parce que c'est comme, hein? Quand on embrouille les gens, quand on a une autre image de nous, que lui il avait une image autre, quoi. Qu'il se disait que, ben attends, je serais déçu quand je vais arriver là-bas. Mais à sa grande surprise, il ressort de chez moi avec une autre image. Donc il me considère maintenant, il va m'appeler maintenant Madame Fodja. Il va pas me prendre, même s'il dit que sa femme regarde nos lives jusqu'à. C'était le grave ici hier. Il dit que nos femmes, que c'est devenu quoi? Quand il rentre à la maison, sa femme avait les écouteurs, elle suit toutes les filles là, il dit que mais c'est quoi ça? Il dit que lui, il est là, il dit mais je suis perdu, qu'on trompe, je ne peux pas oublier ce qu'il a dit, qu'on trompe les femmes de Facebook. Parce que si ces filles-là peuvent un peu nous voir hors de nos caméras, elles ne vont pas nous dénigrer souvent comme elles le font là. Parce que, voilà, on va te voir ici. Hein. Il y a la caméra qui est là-bas. Que ces filles-là, elles auront même honte de savoir que nous, on vit une vie de famille aussi confortable, quoi. Stable, voilà. C'était pas, il était content jusqu'à. Parce que j'ai fait une réception. Exceptionnelle. J'ai pris mon temps. Son patron, il était content. Ils sont quittés ici à 3h du matin. J'ai pensé à faire un drapeau, dire pardon, il ne faut pas mélanger. Si dit fausse, bonsoir, ma fille. Faut pas mélanger vie privée et les réseaux sociaux, hein, c'est vrai. Sinon on va capturer leur visage et tout ça. C'était une bonne ambiance, il y avait un Congolais, il y avait son patron qui il y avait aussi un autre Camerounais, il y avait la femme de son patron. On a vraiment passé. Ils sont partis à 2h du matin. Papa pour lui de rester à la maison, il a continué, il est parti lui en gangan. C'est à l'heure si qu'il est rentré. Ils sont partis en gandan. J'ai dit que non. Son patron dit que non pas. Hein. Son patron dit qu'on part. Ils sont partis. On va dormir dans la chambre, Stéphane. Pas dominer la chambre, lève-toi, viens de le corona ici, la gare, pardon, non, ne pas verser le sur toi, tu es fatigué, papa, papa, je veux qu'on va te monter sur la caméra, hein. Yeah. Et tu as appelé Gloria, non, c'est pas pour, laisse, enlève la chemise dans le salon, pardon, ferme la porte, merci. Non, je suis contente, quoi. Merci, Nadia. Il y a un Ganda ici à Reims, non. Son patron a dit que non, ils vont continuer au Ganda. J'ai supplié son patron ici que non. Papa ne fait pas parler au Ganda. Il a dit que quoi? Tu nous as bien reçus. Nous, on a fini ce qu'on a fini avec toi là. Maintenant, nous, on continue. Il y a un Ganda ici, je ne connais même pas comment. Ici, je connais le Ganda de Reims. Ils sont arrivés là-bas. C'est une de mes filles là qui a eu papa pour la bonne. Elle m'a appelé que ton type est ici déjà KO. Il a dit que papa, si tu peux porter le type là, tu l'amènes. Oh, Lizzie Gaël Bayan, ma fille chérie, j'ai aimé tes photos là. Tu es belle du ciel jusqu'à. Avec ton joli visage là. Alors, si voilà, il suffit que. Tu as les formes de Coco Emilia. Tu as sa beauté aussi. Et ils sont partis au Ghana, la fille, ma petite, elle m'a appelé que t'as le voici, papa, pour j'ai essayé. Elle dit que, hein, pardon, si tu peux me le ramener. Non, j'étais pas à Suresnes. J'étais à Paris. J'étais ici à Reims. Déjà, je me suis réveillé là, j'ai fait le ménage parce que j'ai dormi avec tout le bazar là, ici, là, au salon. Les bouteilles. Il y avait au moins 24 bouteilles de Cronenbourg, les bouteilles de whisky, les bas champagne. Aïe! J'ai pris mon temps, j'ai tout débarrassé. Non, j'étais vous. Non, Lydie Gaëba, je ne l'emprisonne pas. Il est sorti. Est-ce que j'ai un problème? Même la femme de son patron a laissé son mari si elle est rentrée à la maison. C'est l'ambiance, non? Ils travaillent dur, donc parfois ils vont aussi s'amuser. Moi, je suis resté là, j'ai dormi même au canapé. Je me suis réveillé avec la fatigue. J'ai versé un peu de sur moi. J'ai fait le ménage là. Ouais, pas. Si elle vous montre la poubelle là. La poubelle à terre, parce que j'ai même mis sa langue, je n'ai pas encore mis la poubelle à terre. Parce que je suis fatigué, c'est plein. C'est le ménage qui est fait là.
c'est voilà la poubelle seulement d'une soirée. C'est plein. C'est wok, hein. Tout ça seul. Qui va t'aider? Tu es seul. J'ai dit que si elle fait le direct dans Facebook là-bas, les gens m'ont dit que wow, wow. Pardon, j'ai pas moi fait. J'ai dit qu'elle fait pas le direct de Facebook là. On va venir filmer le patron de papa pour dire ici là. Mon gars, il s'est même de perdre son travail. Là, il était très content. Ça fait aussi plaisir. Il m'a dit un truc que vous trompez les filles de Facebook. Canelia, bonsoir. Il a dit que vous trompez les filles de Facebook. Parce que les filles, il me dit que non. Qu'avant, il nous détestait. Hein. Il n'a pas été hypocrite. Que je vous déteste, vous les filles de Facebook là. Mais là, c'est comme je t'ai vu là, c'est fini quoi. Pour moi, tu es même un exemple quoi. Tu es un exemple. Franchement, quand vous sortez de vos caméras là, vous êtes d'autres personnes. Il me dit, mais tu t'entends, tu parles doucement, tu n'écris pas, tu es ici. Donc voilà, Julien Zombie, la reine mère de l'homme. Tu m'as laissé quand tu m'appelais vers 5h du matin, tu parlais, est-ce que j'écoutais ma voix, était à loin. Je me suis réveillé là, j'ai fait mon ménage, j'ai tout nettoyé. Dans le loin, j'ai tout nettoyé. Comme s'il n'y avait rien qui passait là, il est tout propre. J'ai aspiré. Maintenant, j'ai dit que je vais faire un coucou à mes Lulumania pour vous dire que je suis là. Hein. Je suis là. Tu sais quoi? Ton premier. Tu as vu. Tu es rentré avec. J'ai dit que je vais faire un coucou à mes Lulumania pour vous dire que je suis là. J'aurais bien aimé qu'on débatte cette semaine. Moi, on m'a fait ça en semaine. Moi, j'ai pu faire trop les directs le week-end là. Parce que le week-end, je suis en famille. Si, quand je vais relancer la télé, je vais faire souvent la télé le week-end. Mais en semaine, quand il y a un truc à débattre, vraiment, il faut qu'on débatte. Je rêve, dans la semaine, nous allons débattre sur l'éducation de nos enfants dans la diaspora. Parce qu'une mère ne peut pas accoucher et être tuée par son propre enfant. Parce que ce qui arrive aux États-Unis, là, ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de mamans qui subissent ça. Panthère de Crimée, bonjour. Il y a beaucoup de mamans qui subissent ça. Hein. La dernière fois, il y a un jeune Ivoirien qui a tué sa mère ici en France avec le couteau. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Daniel, bonjour. Vous avez vu ça, hein? Il dit Fokker, bonjour. Il y a un jeune Ivoirien qui a tué sa mère avec le couteau. La délinquance de nos enfants en Europe, ça fait peur. Donc vraiment, il faut qu'on débatte là-dessus. S'il y a une maman qui est victime, ce qui est mauvais avec nous, c'est qu'on n'arrive pas. Certains n'arrivent pas à parler. Si aujourd'hui, là, les blogueuses ont levé le voile de raconter ce qu'elles vivent. Ça veut dire que nous aussi, c'est une façon de vous donner le courage de parler aussi. De vous libérer, il n'y a pas honte de raconter son histoire. J'ai raconté mes souffrances et tout ce que j'ai vécu avec Papa Fodia. Parce que les gens ne connaissent pas. Quand je vois quelqu'un reste sur Facebook, il dit que Papa Fodia, c'est un doudou, c'est un ceci. Non, c'est parce que vous ne connaissez pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé avec lui. C'est moi qui j'ai fait au moins des années de souffrance. Si aujourd'hui mon gars s'est rangé, c'est parce qu'il y a eu des efforts. Il y a eu... On a traversé beaucoup de choses, donc il a compris, il dit que ce n'est plus la peine de monter et de descendre. Donc nous, j'ai le courage de dire ce que j'ai vécu, de raconter en sans présence. Ça veut dire que c'est une façon aussi de vous faire passer le message, que venez parler de ce que vous vivez. Il y a des émissions là sur Facebook, je vois les femmes européennes. Comme j'ai vu une fille aujourd'hui, elle a dit qu'elle avait elle a raconté son histoire où elle était grossophobe, la grossophobie. Elle a dit comment, avec son poids, elle était humiliée, parfois rejetée dans la société, vu le poids qu'elle avait. On se moquait d'elle à l'école. Chupita, bonjour. On se moquait d'elle à l'école. Donc elle n'a pas eu peur de raconter son histoire. Je vais même partager ça sur un corps ouvert. Il y a d'autres qui racontent leur violence conjugale. Elles racontent parce que c'est une façon de sensibiliser. Ne croyez pas qu'en restant silencieuse, ça va vous aider. Ça ne vous aide pas. Et puis vous aussi, vous n'aidez pas d'autres personnes. Parce qu'en venant raconter ton histoire, ça peut sauver une vie. Donc, c'est que nous vivons là, l'éducation de nos enfants en Europe. On ne va pas seulement parler. Ce qui m'énerve, c'est ce que déjà, même souvent, les histoires déjà pas. Il y a des actualités, il y a des choses que nous aussi, on peut apporter comme ça. Moi, je ne suis pas... je n'ai pas le monopole du savoir. Il y a ceux qui ont plus d'intelligence que moi. Car avec moi, parce que ma voix porte,
vous pouvez passer par moi pour relayer certains messages, pour sensibiliser. C'est tout. On n'a pas tout dans la vie. Et j'ai ce que d'autres personnes n'ont pas. Il y a la visibilité là qui a des milliers de personnes, même des entrepreneurs, des gens qui cherchent à voir cette célébrité. Facebook là, ils n'en ont pas. Juste pour faire quelque chose, ils n'en ont pas. Et ce qu'ils ont, moi, je n'ai pas ça. Donc, dans la vie, ce n'est pas une main qui attache le bobo. Hein. Donc, ensemble, on peut faire des choses. Ce n'est pas seulement rester dans le Japon. On a crié, oh, la dame, elle est décédée. Qu'est-ce qu'on a fait après? Vous voulez que je n'ai pas cherché la famille de la dame, la famille de son frère ou le... Moi, je ne peux pas me permettre, comme la dernière fois, le monsieur qu'on a accusé aux États-Unis d'avoir tué sa femme. J'ai un peu écouté le témoignage de sa sœur. J'étais refroidi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le monde devient quoi? Le monde devient quoi? Où va le monde? Même si on t'accuse d'avoir tué ta femme, même si on n'y a pas un moment de recueil, c'est le moment où il y a aux larmes, c'est le moment où il y a remords, c'est le moment où il y a la douleur. Les parents qui sont au Cameroun, ils se posent des milliers de questions. Ils ont mal, ils sont malheureux. Ils se disent qu'une belle fille comme celle-là, elle avait tout au Cameroun, elle a tout abandonné pour venir aux États-Unis. Et le moment, la dame, elle n'est même pas encore, elle n'a même pas encore fait 3 jours dans le congélateur. Mais tu te permets de venir raconter des histoires. Tu n'as même pas aucun sentiment. Laisse au moins en terre cette femme. Sa famille a fait un peu son deuil avant de venir dire même que tu vas venir raconter comment ton frère avait les villas, ton frère avait ceci. Mais franchement, tu veux soigner l'image de ton frère sans penser à cette dame qui est décédée dans les circonstances qu'on ne sait même pas. Pourtant, c'est un couple où il y avait la violence conjugale. La violence conjugale, ce n'est pas seulement les coups de poing. La violence conjugale, ça peut être même pas le langage verbal. Hein? Et c'est le langage conjugal, cette violence conjugale peut affecter la femme, même dans son cerveau. Pourquoi elle a eu une hémorragie interne? Pourquoi elle a eu ceci? Peut-être ce sont ses souffrances qu'elle vivait à la maison. Elle était dans le stress, peut-être stressée, ça a dû attaquer quelque chose dans elle, ça a provoqué quelque chose dans elle, une maladie. Tu viens sur Facebook, t'as même pas peur, Facebook c'est quoi? Viens sur Facebook nous raconter l'histoire, après quand il y aura le recueillement, tout va se passer, on sera passé à autre chose. Tu viens raconter maintenant l'histoire, tu viens raconter ce qui s'est passé. Tu viens... Mais cette fille-là, je ne t'ai pas oublié parce que je vais t'assommer dans la semaine. Peut-être demain ou après-demain. Demain, je suis un peu occupé. C'est quelques heures là demain matin. Après mardi, j'ai encore, oui. Et mercredi, je n'ai pas d'heure. Peut-être mercredi. Parce que quand je suis rentré dans mon petit boulot, fatigué, revenir et puis faire le direct, ça va un peu. Demain, j'ai quelques heures. J'ai une demi-journée demain à faire. J'ai mardi, j'ai une demi-journée. Mercredi, je n'ai pas de programme pour mercredi. Donc, s'il ne m'appelle pas mercredi, je ferai ça mercredi pour donner, pour dire un mot à cette femme-là. Voilà. Pour lui dire que qui s'excuse s'accuse. Meurtre de quelqu'un. Il y a des meurtres ici, là, que la femme, elle se suicide. Pourquoi elle s'est suicidée? Parce qu'elle n'était pas heureuse dans son mariage. C'est la raison pour laquelle elle s'est suicidée. Donc, l'homme a sa part de responsabilité dans son décès. Donc, on ne dit pas qu'un homme a tué une femme parce qu'il a pris le couteau, il a poignardé, il a fait ceci. Non. Tu la fermes, tu fais ton deuil et puis tu reviens parler plus tard. Quand la famille, même, attends, la mère encore, quand on est en train de pleurer son enfant, on entend une salope qui vient dans Facebook, commence à raconter comment son fait ici, comment son fait c'est là. Pourtant, moi, j'ai eu les voices qui étaient où la femme se chamaille avec son homme. Quand tu n'es pas là, on dit souvent que quand vous voyez les femmes qui viennent se plaindre qu'on leur a tapé, vous les repoussez là. L'homme africain est trop violent. Une fois qu'il a une femme dans sa maison, elle devient comme son esclave. Non. Hein? Quand tu te sens pas bien dans un foyer, retire-toi. Cette femme-là, c'est une femme qui souffre dans son foyer. Il faut dire les vérités. Hein? Donc, je le ferai en semaine. Mais cela, si demain je rentre, peut-être je finis, parce que je finis à midi. Si je me repose tout l'après-midi, je suis bien. Vendredi, et demain, on va lancer un direct pour parler de l'éducation. Parce qu'on va dénoncer ça. On va dénoncer la violence de nos enfants en Europe. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. Les enfants de l'Europe sont très, 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 très dangereux. Ils sont mal éduqués. La femme qui est morte aux États-Unis, là, il y a même les mamans qui se font taper ici par leurs enfants ici en Europe. Même, il y a même un jeune Ivoirien qui a tué sa mère des mains avec le couteau. Je crois que c'était à Saint-Denis. Donc, il faut parler de ça. On n'est pas obligé de parler du sujet. On n'est pas obligé d'entrer dans la vie de celle qui est décédée.
On veut pas oublier de dire que voilà, on peut profiter de son décès pour sensibiliser. On n'est pas envie d'aller appeler un membre de sa famille pour demander qu'elle est morte, comment, qui l'a tué, au machin. Ce n'est pas important. Le fait est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser, interpeller les parents, de veiller sur l'éducation de leurs enfants. Et si voir si un enfant est déjà dangereux, il faut lui mettre dans les maisons psychiatriques ou le confier à l'État où c'est loyer de cet enfant-là. Parce que les enfants de l'Europe, c'est des personnes ingrates. Ingrats. Je vais te bloquer, ma chérie. On ne fait pas la pub sur mon mur. Bye bye. Voilà. Les enfants, tu viens faire la pub sur mon mur. Hein? Qui d'ailleurs qu'on fait la pub sur mon mur sans payer? Les enfants de Beng sont des enfants ingrats. En Europe, les enfants sont aimables quand ils sont encore bébés, ils sont dans la dos. Une fois qu'ils sont déjà grands, peu sont ceux qui reconnaissent le bienfait de leurs parents. Ils sont très très dangereux. Bonsoir la blogueuse émilienne Emine Ndale. Ma baisse, bonsoir la blogueuse Emilienne Emine Ndale. C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu vas, ma baisse? Donc, c'est ça. Donc, demain, j'aimerais qu'on débatte là-dessus. Mes frères, nous nous attardons pas seulement sur le Congo, ça. Les blogueurs, moi j'aime beaucoup le système d'Apoutu maintenant. Il faut dénoncer. Vos histoires de ma Congo, ça, franchement, c'est fatigue. Et je vais vous dire que depuis que j'ai pris un autre envol, une envol ou un autre envol, voilà. Que je suis sorti du registre des caches, que je suis sorti de ce monde-là, je ne peux pas vous mentir que d'abord, de un, je me sens bien. Et de un, je suis plus apprécié par des gens. J'ai des personnalités maintenant qui ont envie de parler avec moi. J'ai des gens qui, vraiment, ils sont contents de moi. Bon, peut-être vous dites que Lolo crie. Si c'est moi, je suis quelqu'un qui parle avec émotion. C'est ma façon de parler. Je vais m'améliorer pour faire plaisir. Parce qu'il y a certains qui ont problème des oreilles. On va plus aboyer beaucoup. On va un peu améliorer. Mais on va aboyer quand c'est chaud, chaud. Mais quand c'est pas chaud, on va essayer de vous faire plaisir. De faire plaisir. Il faut aussi écouter les internautes. Il ne faut pas faire cela parce que c'est aussi une école que j'ai envie d'apprendre avec vous. Il y a certains qui disent que tout à l'heure, donc je vais essayer de vous faire plaisir, mais je ne vais pas changer ma personne pour quiconque. Parce que ce qui est important, c'est le message qu'on relaie dans l'autre direct. Ce n'est pas la façon de parler, la façon de ceci, c'est là. Il y a des directs, parfois, à Equinoxe, là, j'entends comment les gens se déchirent là-bas, là, tu te dis, oh, bon, c'est au quartier, quoi, mais ce n'est pas le quartier, c'est leur façon de faire. Passez le message. Donc, j'aimerais demain, vraiment, je vous interpelle, les femmes, les hommes, les parents, de partager souvent certains lives. De partager. Parce que les réseaux sociaux, c'est une plaque tournante qu'on ne peut plus s'en passer. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on peut trouver le bonheur. Il y a tout dans nos réseaux sociaux. Il y a le mal, il y a le bien, il y a tout. Donc, c'est une plateforme qui dépasse même via la télé. Et à travers les réseaux sociaux, on peut apporter des messages qui peuvent aider certaines familles ou certains individus. Donc, moi, bonsoir, Madame Ado, tu as changé de profil, donc, c'est, d'accord, Kachare, j'ai compris. Il y a aussi Salaré, mais le mariage, Julien Zombi m'a dit, total Lolo, essaie de ne plus insulter. Ça, Lolo de Léa, bonjour ma fille. Elle m'a dit ça, total Lolo, essaie de ne plus insulter, parce que, il y a des directs, quand tu fais, tu as envie d'insulter, parce que une femme est morte aux États-Unis, elle travaillait au Cameroun, elle avait une belle situation. Un homme vient la prendre, il la mène aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, la femme est malheureuse dans son foyer. Elle est malheureuse. Parce que quand j'ai écouté le voice où la femme se chamaille avec son mari, tu sens que c'était une femme malheureuse. Son autorité, son indépendance qu'elle avait au Cameroun, elle ne retrouve plus cette indépendance qu'elle arrive aux États-Unis. Elle est comprimée par un homme qui est jaloux, qui est agressif. La violence verbale, la violence conjugale, c'est pas seulement la violence, c'est pas le coup de poing, pas la bastonnade. Il y a la violence verbale, psychologiquement, quelqu'un te touche avec des injures. Elle est abattue. Elle peut avoir des séquelles. Le cerveau là, c'est quand le corps humain n'est plus bien, ça touche ton cerveau parce que psychologiquement, tu atteins, ton cerveau n'est pas bien. L'hémorragie interne sort de la tête de la femme là. C'est une femme qui ne pensait pas, elle était soucieuse, elle était malheureuse. Toute sa vie pensait. Ça peut causer même une AVC. Ça peut causer même l'hémorragie interne. Ça peut causer tout ça. C'est de ça qu'il faut parler. Mais la dame, juste parce qu'on a dit dans les réseaux sociaux qu'il y a une rumeur qui court dans les réseaux sociaux que son frère, le mari de cette jeune dame qui est décédée, a tué sa femme, ils veulent à tout prix laver leur image. Ils ne se soucient pas de cette dame-là qui est décédée.
Tu es une blogueuse activiste, Emilienne Ndale. Tu es une blogueuse activiste. Donc, il ne se soucie pas. Il ne se soucie pas de la dame, de l'enfant d'autrui qu'il allait chercher au Cameroun. Il ne se soucie pas de chagrin, du deuil que les parents emportent là, même qu'ils ont perdu leur fille. Ils ne savent pas s'ils vont référer à leur petit enfant qui est resté aux États-Unis. La famille se pose des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne se soucient pas de ça. Tout ce qui leur intéresse, c'est de venir laver leur image dans les réseaux sociaux. Pendant ce temps, la pauvre dame qui est décédée, qu'est-ce que vous nous dites d'elle? La sœur du monsieur vient sur Facebook nous raconter comment son frère a une maison de 5 milliards. Vous allez me biper cette fille qui est passée dans les directs pour aller raconter du n'importe quoi. Parce que je vais la fumer correctement et bien. Elle va présenter ses excuses aux... Ses excuses... Elle doit présenter ses excuses à la famille de la défunte. Parce que ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Même chez les Européens, quand il y a deuil, qu'on apprend que quelqu'un est mort, aucune famille ne se prononce. La famille vient se prononcer plus tard. Quand ils ont fait le recueillement du deuil, les essais du deuil, tout est à passer. C'est là où il y a une famille qui aurait le courage de venir témoigner, de dire ce qui s'est passé. La fille n'a même pas encore été enterrée. Vous êtes en train de, tu veux soigner l'image de ton frère. Tu viens raconter les histoires sur Facebook. Parce que tu veux laver ton image. Tu viens raconter les millions, les voitures de ton frère, les mains de ton frère. Ma chérie, il va te clasher très mal. Si moi, il voit même ta photo. Si je vais chercher une fille, je vais demander une fille des États-Unis. Si elle m'envoie ta photo, je vais d'abord mettre ta photo sur Facebook. Je vais venger la maman là. La jeune fille qui est morte et sa mère qui est au Cameroun. Parce que je vais présenter tes excuses officielles à cette famille là. À la famille qui a perdu son enfant. Parce que tu as manqué du respect à cette fille qui est morte. Tu as manqué du respect à sa mère. Tu as montré aux yeux du monde entier que cette fille était maltraitée dans la main de ton frère. Oui, tu as montré que ton frère était un homme dangereux pour cette femme. Tu as montré que sa mort, c'est lui qui l'a tué. J'ai dit ça. Même s'il n'a pas tué, qu'il a pris le couteau, il a tué dans une violence verbale. Il a détruit cette fille étant dans sa maison. Elle est morte, ta petite fille, la voyait mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu viens nous raconter que ton frère avait les millions. Je vais revenir sur toi, parce que t'es pas oublié. Donc, demain ou mercredi, quand j'aurai le temps, envoyez-moi les nouvelles filles des États-Unis. S'il y a l'une d'elles qui connaît, on connaît même ton Facebook, venez dans mon inbox. Venez dans mon inbox, je vous en supplie. Donnez-moi la photo de la fille là. Je vais déposer ça sur Facebook. Parce qu'il ne peut pas mourir comme ça. On ferme les yeux, on passe d'un coup de la main parce qu'il est. Jamais. Je veux la photo de cette fille là. La fille qui a dit dans le direct que son frère ne tapait son frère avec la maison. Donnez-moi la photo. Je vais clasher la fille là qu'on t'aimait bien. Parce que ton frère est un homme violent. J'ai suivi le voice où il s'insulte avec cette fille. Il l'a détruit. C'est le stress et la dépression qui a créé, qui a causé l'hémorragie interne qu'elle avait en elle. Parce que le cerveau, il faut que tu aies touché, même ton cerveau est touché. Ça fait les mois. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Pourquoi tu voulais l'amener sur le service, chez les femmes battues? Parce que tu as dit que tu avais pris rendez-vous pour l'amener chez les femmes battues. Pour l'amener chez les femmes battues. Pourquoi tu veux l'amener chez les femmes battues? Parce que toi-même, en tant que femme, tu sentais que cette femme était en danger. C'est la même pour laquelle tu voulais la séparer de ton frère. Aujourd'hui, quelle main tu dis que ce n'est pas ton frère qui l'a tué? C'est lui qui l'a tué. Voilà. Et il doit rendre. C'est lui, il n'a que sa conscience avec Dieu parce qu'il portera le deuil de cette fille toute sa vie. Et nous allons ici interpeller aussi. On va en profiter pour interpeller les femmes qui sont au Cameroun. Là, que quand vous venez vous marier avec un homme ici en Europe, allez signaler votre arrivée à l'ambassade du Cameroun. À l'ambassade du Cameroun, dis-leur que je suis venu ici à marier, je suis dans tel état. Une fois que tu sens que l'homme te prend comme un esclave, fuis avec ta tête, surtout les États-Unis là. Donc, nous allons débuffer demain. Et demain, je sais, demain je ferai un direct. Si je rentre, parce que j'ai fini à midi, après-midi, je serai libre. Si je me repose bien, je peux faire le direct le soir. Si je ne peux pas, j'aurai un jour libre le mercredi. Je le ferai mercredi. Parce que nous sommes là. Pour dénoncer. Tu sais, dans la vie, certaines personnes oublient que dans la vie, il y a ceux qui sont là pour être, pour donner. Il y a plusieurs façons d'être important dans la vie. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'apporter quelque chose à la vie. Il y a ceux qui sont là, ils ont les moyens financiers. Il y a ceux qui n'ont pas de moyens, mais puis utilise une autre forme pour aider les gens. Oui. Puis utilise une autre forme pour aider les gens. Tu peux avoir l'argent
mais ne pas avoir l'accès à faire certaines choses. Mais celui qui n'a pas d'argent te montre l'accès à faire certaines choses. La dernière fois, j'ai raconté que j'ai fait une amie venir en Europe. Ce n'est pas moi qui ai payé son billet d'avion. Ce n'est pas moi qui ai payé son visa. Aujourd'hui, c'est une grande dame dans la place parisienne. C'est une grande dame qui est assise. Elle est assise, elle n'est même plus que moi. Parce que nous étions en aventure. Je l'ai fait venir à Malabo. Elle est venue m'a retrouver là-bas. Arrivée à Malabo, je suis arrivé en Europe avant qu'elle. Je l'ai boosté quand je l'ai laissé en Afrique. Je l'ai boosté, je l'ai réveillé. Que tu peux avoir tous les millions du monde à Malabo, même bang, c'est bang. Il y a un jour, mon gars, il m'a demandé que c'est quoi avec toi. Tu forces la fille de tuer de venir en Europe. Ton problème, c'est quoi, non, ma soeur? C'est quoi? Tous les jours, tu appelles la fille. Elle est mariée. Elle est... Laisse-moi qu'elle est mariée là. Mais elle est mariée, elle est partie la mariée avec lui. Je l'harcelais même. On dit que quand tu harcèles quelqu'un, je l'harcelais. Aujourd'hui, cette fille en Europe, je ne la vois pas. Mais elle ne peut pas voir d'où je tombe. Et ça, elle ne s'arrête pas. Elle ne peut pas voir que si un problème va pas venir, elle viendra. Même si on m'a dit qu'elle a parlé de mon nom, ça c'est le monde des femmes. Mais je sais que si j'ai un problème grave aujourd'hui là, cette fille là sera là pour moi. Elle va dire que Lolo, elle va se rappeler que j'ai joué un rôle important dans sa vie. Pas financièrement, mais d'une autre manière. Parce que je l'ai boosté. Elle avait ses moyens. Elle n'est pas la seule. Elles sont deux. Que je peux donner même les noms, mais je vais respecter leur vie privée. D'ici bien, c'est bonsoir. Donc c'est que je suis en train de dire que dans la vie, nous, Dieu nous a donné ce pouvoir-là de réunir des personnes pour passer des messages. Même si on le fait dans n'importe quelle forme, l'important c'est de faire, passer le message que certaines personnes restent et disent que « Ouais, Lolo a dit un truc, il y a qui, vraiment ça va m'aider. » Il y a des moments où je triche aussi chez les gens. Hein. Bonsoir Mimi Volpon, la reine mère du showbiz international. Il y a des moments où je triche. Les make-up que je fais souvent, les make-up là. Il y a souvent les filles qui ne font même pas le make-up que bien que moi, que j'arrive à et tricher aussi chez elles. Elles vont se dire que je suis professionnel dans le make-up. Pourtant, c'est faux. Parfois, ils font leur petit make-up là. J'ai regardé, j'ai bien aimé sa façon de faire. Pourtant, son make-up n'est pas parfait comme le mien. Mais elle a un petit truc qu'elle a réussi à faire que moi, je n'ai pas réussi. Je capte aussi là-bas. Dans la vie, c'est comme ça. Dieu nous a donné cette force-là de sensibiliser, de réunir, de captiver du monde pour faire passer des messages. Et c'est dans ce registre-là que je suis vu. Franchement, je ne vais pas vous mentir que j'en suis fier. Quand j'étais dans les clashs, pour arriver même pour avoir même 100 000 abonnés, c'était dur. Aujourd'hui, je pars dans les 200 000 abonnés. Les gens m'ont beau dire que Lolo paye les vues. C'est le mensonge. Je vais payer les vues, ça va me donner quoi? Je n'ai pas besoin de payer les vues. C'est ma façon de faire qui attire les gens. C'est ce que je dis malgré mes abonnements. Je n'ai pas besoin de venir jouer la Beyoncé devant vous pour qu'on me regarde. Je n'ai pas besoin de jouer. Regardez Coco Emilia. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Je vais seulement donner ce petit exemple parce que c'est elle qui est un peu vieux. Elle aussi, elle est une influente entre parenthèses dans les gros réseaux sociaux. Du coup, je préfère prendre l'exemple. Ça ne veut pas dire que moi, je peux vous donner elle comme exemple. Ça ne veut pas dire que moi, je vais être comme elle. Non. C'est pour vous dire que on a tout dit d'elle. Hein? On a tout dit d'elle. Mais elle est, où elle est là où elle est là aujourd'hui. Donc, il faut captiver le monde. Il faut parler aux gens. Ce n'est pas le Congo ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être loin de tous ces clasheuses de la toile-là. Parce que parfois, on dit blogueuse. Ce n'est pas blogueuse. Pour moi, c'est clash. Il y a blogueuse et clasheuse. Oui. Parce qu'une blogueuse, c'est quelqu'un qui apporte, qui a un impact dans la société, qui dit quelque chose et qui réussit à convaincre quelqu'un. C'est-à-dire que je te dis que le porte-monnaie, si, c'est noir. J'ai réussi, le blogueur peut réussir à te faire comprendre que ce porte-monnaie est bleu. Il te met ça dans la tête, ça c'est le travail de blogueur, c'est de dénoncer. Mais je pense que certains sont dans le clash. Parce que blogueur et insulte, c'est pas la même chose. Et depuis que j'ai compris ça, je reste focus. C'est la langue que j'ai dit à mes Lolo Mania que il y a des trucs qu'il faut balayer d'un coup de la main. Parce qu'il y a des gens que elles rêvent, qu'on dit que le rêve, comme on dit, elle est devenue star parce qu'elle s'est accrochée à quelqu'un. Non. Tu peux t'accrocher à quelqu'un. Donne-moi le nombre d'abonnés que tu as déjà eu depuis que tu parles de Lolo Foggia. Je peux te dire que depuis que j'ai fait les clashs, tu n'arrivais pas à atteindre 100 000 abonnés. Depuis que j'ai fait les clashs, parce que quelqu'un m'a venu sur ta page. Et que Lolo aboie même pourquoi? Elle insulte qui? Le cul, le mangala, la Jessie. Ah, je ne m'abonne pas là-bas. Ce n'est pas une page intéressante.
Si, parce que, mais quand tu fais compte qu'elle est en train de clasher, elle est en train de parler d'un truc qui a fait le buzz, machin, de tout, elle parle de, elle est en train de sensibiliser. La personne a envie de rester. En se disant que bon, même si elle écrit là, bon, c'est pas grave, c'est sa façon de parler, on va s'arranger à l'écouter, je m'abonne. Donc depuis que je ne fais plus les clashs, hein, depuis que je ne fais plus les clashs, depuis que j'ai fait les clashs, je n'avais pas d'abonné. Il suffit de regarder les pages des blogueuses camerounaises. Vous allez voir qu'elles n'ont pas assez d'abonnés. Pas fait. Elles m'ont dit que c'était le paye les vues. Moi, je ne paye aucune vue. Je ne connais même pas comment payer. Si je connais même comment payer les vues, les... je devais aller payer pour faire connaître encore ma page jusqu'à. Je devais payer ça. Pour faire encore connaître ma page dans le monde entier. Je ne connais pas. Si je connais, je devais payer. Donc... Mais regardez Apuchou. C'est un petit exemple. Hein. Il a commencé là. On a même fermé sa page. Mais il a récupéré sa page. C'est parce qu'il sensibilise. Les gens ont envie de rester. Moi, depuis que je ne clash plus, que j'ai fait les pas les faits divers de la société, j'ai plus d'abonnés que quand j'ai clashé. J'ai plus, ça monte tous les jours. Demain, parce que j'ai 200 000 abonnés. Tu sais ce que ça veut dire, on appelle que 200 000 personnes te suivent dans les réseaux sociaux. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que tu as travaillé. Donc, le clash, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Moi, il y a des blogueuses. Moi, c'est ma quatrième page à cœur ouvert. Ma quatrième page. Les premières pages, c'est Odé Kamla qui m'avait ouvert ça. Le gars m'a ouvert les pages. Quatrième. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit que non. Maintenant, tu vois, elle me lance. Tu vois, quelqu'un se lève un matin. Parce qu'un faux profil allait parler de toi. Voilà les Jupiter, la Merveille, les Momo Stone, tout ce monde-là. Elles vont dire demain que c'est moi. Je n'ai pas le temps pour créer le faux profil, mamie. Je n'ai pas le temps là. Parce que tu ne me fais, personne ne me fait peur. Je respecte les gens. Je n'ai pas peur des gens. Je respecte les gens. Voilà une personne comme Emilienne Ndale. Bonjour ma BS, comment tu vas? Lorraine Mungu. Voilà une personne comme Emilienne Ndale. Je connais Emilienne Ndale depuis. Mais elle va vous dire. Il y a le jour qu'elle fait ses directs. On dit, oh Emilienne Ndale, mais je dis, j'avais marqué le respect. Moi je ne sais pas, je respecte, ce n'est pas la peur. Parce que vous ne confondez pas la peur et le respect. Donc, il y a des gens qui rêvent que Lolo, je ne peux plus entrer dans ce registre-là. C'est salissant. Et il y a des gens qui disent que Lolo, tu as été pomme. On va vous dire que tu peux t'accrocher à quelqu'un dans les réseaux sociaux qui a la visibilité. Tant que tu ne travailles pas pour avoir cette visibilité-là, tu ne l'auras jamais. Même si la personne te met en avant matin, midi et soir. Tu ne l'auras jamais parce que tu ne travailles pas pour avoir ta visibilité. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. La vie est faite ainsi. Oh, tu ne peux pas te lever le matin, tu deviens un photo Victor en une fois. Non, tu vas traverser des étapes. Donc, dans les réseaux sociaux, chacun de nous est venu derrière quelqu'un avec le nom de tel. Maintenant, c'est tes performances qui font en sorte que les gens te suivent. Si tu n'es pas performant, les gens ne vont jamais te suivre. Même si tu avais cette personne-là. Il va falloir que cette personne soit là pour te booster. Mais elle ne va pas te booster toute une vie. À un moment, les gens vont même s'enlacer. Ils doivent dire à quoi même parler. Ça va passer comme ça. Mais donne-moi combien de vues tu as. Combien d'abonnés tu as déjà eu depuis que tu insultes Lolo Fodia. Les gens regardent parce que bon, ceux qui aiment le Congo, ça. Et quand on regarde, c'est quand quelqu'un m'insulte et qu'il n'arrive même pas à atteindre même 550 000 vues. Moi, ça ne me choque pas. Parce que ça n'a même pas touché la moitié des personnes. Quand il veut t'insulter, je n'ai pas atteint. Et si moi, j'ai fait le clash avec toi, je peux atteindre 100 000 personnes qui ont regardé mon direct. Toi, tu vas venir me clasher, il y aura 5 000 personnes. Entre 100 000 personnes qui sabotent plus que l'eau, c'est moi qui te sabote plus que l'eau. Parce que j'ai le, comme a dit Aïcha Sol, à la télé, un journaliste est capable de te nuire en passant par la télé. Parce que la télé, les gens regardent la télé. Le journaliste est détruit à la télé. Oui. Merci beaucoup. Evelyne Flor Bakop. Hein? Voilà, Lydie Fokem. Donc, donne-moi le nombre d'abonnés que tu as eu depuis que tu clashes Lolo. Même pas 1000 abonnés, même pas. Attends, tu tournes dans le vide, mais tu crées une page. Alors pourquoi? Quand on crée une page Facebook, c'est pour gagner les followers. Parce que plus tard, tu peux créer ton business. Tu te fais une page Facebook, c'est pour faire pour venir insulter les gens. Mais, ça veut dire que tes injures même ne donnent pas. Moi, je ne m'adresse pas à quelqu'un particulièrement. C'est là que je dis que... Bonjour, notre Maëlys Loué. Notre banquier de Suisse. Donc,
C'est parce que j'ai travaillé. Quand j'étais à la team de compression, je n'étais pas seul qui était là-bas. Il y a beaucoup, Emilien Ndala faisait partie de cette team. Il y a les quartiers FMI, il y a les, comment on appelle la petite, la Fortune Dongo, il y a les Anouchka, il y a tout ce monde-là que j'ai même trouvé là-bas. Mais pourquoi elles ne sont pas devenues blogueuses? C'est parce qu'elles n'avaient pas ces capacités-là. Aujourd'hui, Emilien Ndala, elle est blogueuse activiste. C'est dans son monde qu'elle est. Au fur et à mesure qu'elle est en train de monter un tout petit peu, elle a déjà, je vois qu'elle a les 5000 abonnés, les 6000 abonnés. Ça veut dire qu'elle captive les gens quelque part par rapport à ce qu'elle dit. Tu n'as pas besoin de venir insulter quelqu'un pour avoir les followers. On peut venir te regarder, mais tu vois, tu ne seras jamais star. Moi, je suis à partir des gens dans les endroits qu'elle disait qu'elles sont stars. Personne ne s'est levé même pour leur dire bonjour. Que c'est, même les hommes, quand ils disent qu'ils sont connus. Mais quand il y a quelque part, que c'est toujours moi qu'on vient saluer. On dit que Lolo frère, Lolo Fouya. Mais la personne qui est là, on entend son nom dans la fête, on ne le gère pas. C'est pour dire qu'il faut travailler. C'est pas moi, j'ai compris que depuis que le monde des classes là, ça salit l'image de la personne. Mm-hmm. Comme Coco Emile, on a dit que Coco Emile, c'est une fille qui est mal élevée, elle est sauvage. Moi, je sais qu'elle est comme ça. Hein. Mais ça n'a pas empêché qu'un homme vienne dire que je t'aime. Donc, même si Lolo parle, même comment, les gens vont venir parce qu'ils ne sont pas là pour regarder ce que Lolo parle. Ils sont pas là pour regarder comment Lolo parle, ou elle la boit pas. Non! C'est parce que je suis moi, je suis dans mon naturel. Si on commence à appeler comme une blanche, les gens vont fuir, que le deuxième, puis Lolo Fouya, ça dit. Donc, je remercie tous ceux qui me suivent, mais Lolo Mania. Et j'ai remarqué que il y a trop d'hypocrisie dans les réseaux sociaux. Parfois, quand je regarde ça, je rigole. Je dis, tu vous perdez, mais vous embrouillez même avec qui? Je suis une personne que j'ai simplifié, j'ai mis sur les choses dans la vie. Moi que vous voyez là. Dans la vie, il y a des gens qui rêvent d'avoir seulement 50, même 1000 abonnés. Même 2000 abonnés sur leur page. Mais ils n'arrivent pas. Il y a des filles qui me payent souvent que Lolo, partage mon direct. Je te paye. Parce qu'elles veulent les abonnés. Tu partages même, tu peux encore regarder, il n'y a même pas les abonnés. Donc chaque personne a son domaine. Moi je dis, c'est maintenant pour sensibiliser. S'il y a un buzz ou un fait divers de la société, je viens, j'en parle. C'est pour dire, il m'assoit là. Plus ça, tu vois, les affaires des blogueurs de la toile, je ne gère plus ça. Je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse même pas. Parce que toute une vie, à un moment donné, le corps lâche. Merci d'ici, Beyoncé. C'est pour vous dire que c'est ça. Il faut faire des choses. Et dans les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui disent aux Camerounais, aux blogueurs, qu'allez travailler. Je vais vous dire quelque chose. Facebook, vous voyez là. Sortez un peu du Facebook du monde africain. Allez dans le Facebook, non, même dans le monde africain. Essayez un peu de regarder les pages des Américains. Essayez un peu de regarder les pages des Français. Essayez un peu de regarder les pages d'autres pays. Vous allez voir que ces gens-là se sont enrichis avec les réseaux sociaux. Facebook, c'est sûr, donc tu peux faire ton travail. Bonjour, ma Foyomeni. Emilien, il a dit quoi? Bien, Facebook. Léa, les gens qui sont devenus milliardaires grâce à Facebook. Hein? Il y a les gens ici. Avant, je ne vendais pas les habits. Aujourd'hui, je vends les habits. C'est que quand je monte mes habits, je monte mes habits une fois par mois. Je ne vais pas monter les habits tous les jours parce que je vais faire la concurrence avec X ou avec Y. Non. Je paye le peu que j'ai, le peu d'habits que je peux acheter. J'achète, je revends. Je vends tout doucement. Un mois, si je gagne mon bénéfice. C'est-à-dire, ça change quoi avec l'autre si il allait travailler? Moi, je vous pose la question. Quand les gens n'ont pas la possibilité d'avoir une plateforme où les gens viennent s'abonner, par jalousie, ils disent du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je peux rester. Il y a les Européens qui restent dans les réseaux sociaux. Ils ne parlent jamais. Ils ne connaissent même pas la fête qu'on dit que la fiche de paye. Ils restent dans Facebook. L'argent qu'ils gagnent, toi qui te lèves tous les matins pour aller travailler là, tu ne gagnes pas ça. Tu ne gagnes pas ça. Tu vas aller travailler tous les jours, tu auras 1 500 € le mois. Lui là, c'est 5 000 euros par mois, c'est même pas les réseaux sociaux. Pourquoi les Camerounais s'accrochent sur le fait qu'aller travailler? Moi, si je travaille, je prends une demi-journée. C'est parce que je n'ai pas envie de rester comme ça. J'ai fait une formation pour ça. C'est parce que j'ai d'autres projets qu'il va falloir que j'ai des fiches de paye. Je ne vais pas aller trafiquer pour ça. Je sais que bon, je peux programmer. Bon, en semaine, je prends peut-être 4 jours, 4 demi-journées. Le soir, quand j'ai monté, fait mon Facebook, j'ai même mes habits. Ça me rapporte beaucoup plus que toi qui n'as pas travaillé. Va?
Je ne dis pas d'aller pas travailler. Si tu as la possibilité d'aller travailler, que tu n'as pas la plateforme que j'ai, tu dois aller travailler pour gagner ton argent. Il y a des gens qui sont restés. Les Européens, quand tu vois, on dit qu'elle est devenue comme la Nigériane que j'ai vue dernièrement. La Nigériane là, derrière les réseaux sociaux, elle est multimilliardaire au Nigeria. Tu vois seulement sa maison. Elle dit que voilà son ordinateur, son bureau. J'ai vu la chambre de la femme, j'ai crié. Tu vois seulement sa chambre. Tu dis que yes, elle a eu son argent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi quand c'est les Camerounais, aller travailler? Non, si on met un litchi, parce que je ne comprends pas comment vous les... Comme le litchi, la dame qui est décédée, la petite fille qui est morte à Paris là. Est-ce que vous connaissez son histoire? Quelqu'un m'a appelé pour me raconter l'histoire de la fille là. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai encore eu plus mal. Parce que c'est une jeune Camerounaise. Bien sûr, d'ici Beyoncé. Oui. Invite-moi quand tu veux, Eriko. Eriko qui? Comment tu vas? Ça fait longtemps. Tu te fais un peu rare. Bien sûr, Emilien Ndala, nous sommes nés différents. Je ne peux pas être toi. Voilà, nous sommes des différents. On se voit que c'est ça qui fait que les filles partent mourir quelque part. Les filles qui ont les longs yeux. Elles veulent être sur le personnage de quelqu'un d'autre. Elles veulent quitter de son personnage pour être le personnage de quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait que tu deviens. C'est que tu deviens envieuse. Tu deviens envieuse. Il y a les filles là-dedans que tu. Elles vont voir que maman Coco Emilia là. Elle a marié un milliardaire. Oui, peut-être parce qu'elle est formée comme ça. Je m'avais sur le chirurgien. Elle coupe son corps. Oh, peut-être parce qu'elle n'a pas le ventre. Elle parle le yeux. Elle coupe son corps. Oh, peut-être comme elle a les seins comme ça. Elle fait comme ça. Elle fait... Parce qu'elle croit qu'elle sera Coco Emilia. Maman, tu vas aller voir tous les chirurgiens du monde. Tu seras comme elle. Tu auras son image. Tu auras sa silhouette. Mais tu n'auras jamais la chance que. Les opportunités, la chance qu'elle a. Parce que c'est elle. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Oui. Et ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est que dans mon parcours, je n'ai jamais envié quelqu'un. Quand tu as l'esprit d'envier les gens ou de vouloir devenir comme une autre, comme devenir comme ta copine, tu finis toujours mal. Il faut te contenter de toi. Oui. Il ne faut pas être envieuse. Moi, je suis là. Quand j'ai dit Tata Lola a raté sa vie, ça me fait rire. Parce que je réussis à subvenir les besoins de mes frères au Cameroun. Si on m'appelle à moi, on me dit que mon petit frère a un problème. Je ne vais pas venir sur Facebook taper pour dire qu'aidez-moi. Je vais le résoudre seul. Je vais le résoudre seul parce que je m'arrange à le faire. Si on dit que moi, si moi j'ai un problème, je vais le résoudre seul. Si ça me dépasse, c'est là où je peux venir vous dire que ça me dépasse. Si j'ai, voilà. Si peut-être, oui, je peux d'abord commencer à le faire. Donc, il faut arrêter d'envier les gens. Vous devez devenir comme la télé, quoi. Tu sais qu'elle a fait comment pour arriver d'où elle est là. Il faut s'aimer d'abord. Il faut aimer la personne que tu es. On ne peut, tu ne peux pas vouloir ressembler à quelqu'un. Donc moi, je suis comme je suis. Ce qui m'aime. Les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a l'argent dans les réseaux sociaux. Tu vas pas voir qui va travailler. Il y a ceux qui travaillent même. Tu ne peux pas avoir le moyen qu'une fille des réseaux sociaux a. Tu as toutes les opportunités dans les réseaux sociaux. Il y a de cela quelques mois, si on disait aux Camerounais que c'est les Coco Emilia qui vont faire l'exemple, et ça sera l'exemple d'un pays, personne ne devait croire. Tout ça parce que, oh, man, ils ont oublié. C'est vous qui détruisez la jeunesse camerounaise. C'est vous qui la détruisez parce que ce que vous avez dit hier, vous êtes en train de vous contredire. Hier, vous l'avez appelé vendeuse de piment. Tout d'un coup, la maman qui est à la maison, sa fille va à l'université. Elle va comparer sa fille avec ce qu'on appelait vendeuse de piment juste parce qu'elle a marié un homme qui a l'argent. Vu dans son compte bancaire. Est-ce que vous êtes dans son compte bancaire? Vous êtes dans son compte bancaire. L'homme africain, franchement, je n'ai jamais vu les gens comme ça. Vous êtes dans son compte bancaire. Vous allez maintenant détruire vos enfants dans la maison, soit disant que, hein, tu veux parler, hein? Parce que c'est vous qui faites ces propagandes là. Non, pardon. Ce n'est plus la vendeuse de piments. Ce n'est plus l'autoroute. Ce n'est plus ceci. Maintenant, c'est là que, wow, elle vous dépasse. Elle a marié un milliardaire. La maman qui reste à la maison, elle voit que tu veux parler. Ta fille va à l'université, elle te demande 100 francs. Ne me demande plus 100 francs ici, hein. Ne me demande plus 100 francs ici pour aller à l'école. Voilà tes écoles, les cocos, ils sont mariés avec les millionnaires. Ça déroute l'enfant. Faites très attention. Ça déroute l'enfant. Et puis quand l'enfant va se retrouver en train de faire n'importe quoi, tu vas te mettre dans la main à la tête, elle va aller, je sais pas, oh ma fille, oh ma fille, oh. Alors que c'est toi qui as rejeté ton enfant
parce que tu voulais regarder l'enfant de l'autre. Tu veux que ton enfant soit comme celle-là. Tu veux que ton enfant ait le succès de l'autre. La vie, ce n'est pas comme ça. On peut même aller. Parfois, vous partez à l'école dans la même classe. Le professeur vous enseigne les mêmes cours. Mais pourquoi y a-t-il les premiers, pourquoi y a-t-il les derniers? C'est-à-dire que dans la vie, tout le monde. C'est-à-dire que dans la vie, tout le monde ne peut pas être pareil. Tout le monde ne peut pas avoir la même intelligence. C'est que si tout le monde avait la même intelligence, c'est qu'il n'y a pas les derniers à l'école. Hein. C'est qu'il n'y a pas les derniers ou les avant-derniers. C'est qu'il n'y a même pas les premiers. C'est que tout le monde est premier à l'école. Donc acceptez souvent vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être une autre personne. Moi, quand je partais à l'école, il y avait les mois qui avaient la douzaine de moyenne. Tu vois un enfant qui il est dans la même classe que moi. Il suit les mêmes cours que le professeur nous donne. Il n'y a pas que machin, mais à la fin de l'année, il bûche même. Ce n'est pas qu'il ne bûche pas. Tu vois un enfant qui ne sort jamais. À l'époque, on va aller à l'école. Un enfant qui ne sort jamais, il est toujours sur son cahier, Il bûche toute l'année. Mais arrivant à l'examen, il échoue. Il échoue pourquoi? Alors qu'il a bûché. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même intelligence. Donc à un moment, il faut arrêter de comparer les gens. Il faut arrêter d'aller envier la vie des autres. Contente-toi du peu que tu as. Comme parce qu'en voulant toi vouloir regarder les autres, tu peux te retrouver au chemin de si je ne savais. Donc comme moi je suis dans Facebook aujourd'hui, là, c'est pour faire mes aides. Il y a les émissions Japap. Ce que je fais depuis un temps là, c'est les émissions Japap. Les émissions, voilà. Pour les émissions Japap. Mais là, il y a les émissions télé que nous allons recommencer. Où je vais inviter pas seulement les artistes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont interpellé que Lolo, tu ne vas pas te focaliser sur les artistes. Tu peux inviter les blogueurs, tu peux inviter les individus qui n'ont pas, peut-être, qui ne sont pas assez connus. Tu leur donnes aussi la chance de s'exprimer sur ta plateforme. Ça va encore élever plus ta TV. J'ai compris. J'ai envie de mettre en place des choses. Donc moi, où je suis placé là, quand il entend dire que celle-là me dépasse, ma frère, tu dis que quelqu'un me dépasse, elle mange ce que je ne mange pas. Elle dort, même si je dors dans le taudis, je dors. Quelqu'un te dépasse comment? Quand elle vient de manger votre toilette, elle fait les mains, elle la même manière que toi. Elle me dépasse avec quoi? Puisque je ne suis pas venu courir à sa peau pour demander de quoi manger. Personne ne dépasse l'autre ici sur terre. Tu peux avoir plus que ce que je n'ai pas. Même le milliardaire a besoin du plus petit pour multiplier ses milliards. Il ne faut jamais rabaisser notre humain. Moi, j'étais toujours humble dans ma vie. Il y a beaucoup de parvenus dans les réseaux sociaux. Moi, j'étais simple, naturel, comme je suis. Je ne cherche pas. Moi, je vivais avec mon water. À l'époque, quand j'étais arrivé en France, je vivais avec mon water à la Côte d'Azur, à Cannes. Quand on est dans les restaurants, il veut me faire j'allais. Hey, mon frère, moi, je mangeais mes nourritures. Hein. Si tu vois que je. Si tu dis que. Oh, ben, tu dis que ce n'est pas une histoire de villageoise. Je t'appelle ça, c'est qu'à mon type là. Tes plats que tu amènes là, moi, je ne connais pas les plats là. Je veux mon poisson grillé ou le steak ou machin. Je veux manger ce qui me plaît. Je ne veux pas manger pour te faire plaisir. Vraiment, tu me l'avais traumatisé. Que je mange ce qui me plaît. Tu me sors un plat avec les nourritures, les sauces qui sont déjà à la farde dans la bouche. Moi, je ne peux pas venir ici à le restaurant m'asseoir et manger. Et dès qu'on vient me débarrasser, je n'ai même pas pu finir même la moitié du plat parce que je veux te faire plaisir. Non, je suis camerounaise. Je suis une africaine. J'ai été élevée. Pourquoi tu veux que je dois apprendre à manger pour toi et tu veux aussi apprendre à manger pour moi? Pourquoi tu veux me montrer que tu es supérieur que moi? Non, par rapport à la nourriture. C'est ta nourriture, parce que c'est ta culture. Tu as grandi avec cette nourriture-là. Moi, j'ai grandi avec le couscous gombo, le banane malassé, le condré, les ceci. Donc, ça, c'est nouveau pour moi. Donc, je peux, si je mange et que ça ne passe pas dans ma bouche, je ne vais pas manger pour te faire plaisir. Non. Ou bien, parce que je suis arrivé dans un restaurant, je vais prendre ce qui peut passer dans ma bouche. Tu veux pas, tu laisses. Je l'avais tapé ça sec, je vais dire non. Quand je vais au restaurant, tu me laisses choisir ce qui me plaît. Et maintenant, si tu prends pour toi, je peux goûter dans ton plat. Si tu vois que ça passe, la prochaine fois que je vais au restaurant, je prends la même chose que toi parce que j'ai goûté, j'ai vu que c'est bon. Il y a les nourritures qui m'ont appris à manger que je ne mangeais pas avant. Les nourritures européennes là. Donc, on allait au restaurant, j'ai commandé mes petits trucs là. Après, à chaque fois, je prenais tout dans son plat, je goûte, je dis waouh, c'est bon. Hein. La prochaine fois, je vais prendre ça. Et c'est comme ça que j'ai appris quand même. Mais quand moi, je prépare ma sauce gombo, il vient goûter aussi le gombo. On va dire que parce qu'il est le blanc, il est le blanc et puis ça fait quoi? C'est pas un être humain. Si je mange l'hamburger, il ne peut pas manger aussi le couscous sauce gombo. Par rapport à quoi? Il doit aussi manger ça. Oui, ils sont. Non! Mais quand tu vas dire à une fille que tu ne manges pas la nourriture européenne, hé, tu ne manges pas la nourriture européenne, maman, tu es villageois, pardon! Je suis villageois parce que je ne mange pas la nourriture européenne. Mais franchement,
C'est, je pense que le monde dit, oh, tu es villageoise, oh, moi, je dis non. C'est pas peut-être pourquoi c'est. Je dis non. Je dis, comment tu peux m'aller à l'outil européen? Je ne m'en prends pas à l'outil européen. Quand tu es au Cameroun, tu m'aller à l'outil européen. Je ne vis pas avec un Européen. Je vis avec un Noir. Mais par contre, c'est pas moi à l'outil européen. Ils voulaient moi à l'outil. Et ils n'ont pas ce problème. Ils voulaient, c'est pas, ils mangent ça. Je mange européen. Mais je ne mange pas asiatique. Parce que tu vas venir, tu ne manges pas asiatique. Là, tu l'aimes, les petits, là, je n'aime pas ça. Mais il y a les Camerounais qui mangent ça. Donc, vous n'avez pas exigé aux gens que tu es villageoise parce que tu ne manges pas la nourriture. Donc, on identifie la villageoise sur quelqu'un parce qu'il ne mange pas la nourriture européenne. C'est, moi, je pense que ce n'est pas venu qui a peur ce genre de langage-là. Il faut être parvenu pour dire ça. Ouais. C'est vrai. S'il y a les restaurants chinois, c'est parce que les Chinois imposaient la nourriture aux Européens. Pourquoi les Européens mangent la nourriture chinoise, il n'y a pas un problème? Pourquoi on n'est pas aussi imposé la nourriture africaine? Oui, tu passes partout en Europe, tu vois, il y a les restaurants asiatiques là. Il y en a partout. Il y a les restaurants portugais, il y a les restaurants brésiliens. Il y a les restaurants un peu partout au Brésil. Et les Européens, ils vont là-bas, ils mangent. Chez nous, les Africains, on mange. Quand tu la mets, c'est toi là-bas l'Africaine qui a redonné comment il y a le complexe. C'est toi l'Africaine qui a redonné comment il y a le complexe. Mais est-ce que mon mari va même manger ça? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne va pas manger? Ouais, est-ce qu'il. Mon mari n'aime pas le. Est-ce qu'il aime même nos nourritures là? Tu commandes à toi-même ton complexe. Lui, il n'a même rien dit. Tu vois, ouais. Est-ce qu'il a même mangé? Même, s'il a même mangé la nourriture là, vraiment. Ouais, dis donc. Il n'aime pas nos nourritures. Mais quand tu parles à ton réseau, tu dis que tu n'aimes pas la nourriture. Mais, je ne comprends pas. L'Européen va y manger la nourriture chinoise. Oui, il va manger la nourriture camerounaise. Il y a quoi la nourriture chinoise que chez nous, il n'y a pas. Il mange, je ne comprends pas. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être une autre personne. C'est la même place que j'ai dit que j'ai commencé à faire. Je continue dans ma lancée. Donc, quand il y a eu encore, j'ai encore vu dans la semaine une fille qui m'insulte pour rien. Maman. Si on va entrer dans le jeu, là, il n'y a aucune blogueuse qui est parfaite dans les réseaux sociaux. Faites très attention. Il n'y a personne qui est parfaite là. Il y a chacune qui a eu un parcours pas glorieux. Donc quand vous faites vos guerres entre les faux profils, n'identifiez pas ça à quelqu'un. Maman, je ne mange pas asiatique, Astrid Ngabe. Je ne mange pas ça. Faut pas identifier. Les faux profils sont venus nous soutenir parce qu'il y a quelqu'un dans la vraie vie qui estime que Lolo est injustement accusé. Lolo est injustement attaqué. Et comme c'est quelqu'un que j'aime, elle ne sait pas pourquoi elle-même, naturellement, quand elle dit c'est Lolo, elle voit, si je vais trouver un moyen de défendre Lolo, elle crée un faux profil. Je ne contrôle pas ce qu'elle fait. Je ne conduis pas dans sa maison pour dire que ouvre ton téléphone et suite des personnes. Elle fait ce qu'elle veut. Parfois, il y a des faux profils, il faut même les lourds qui font même que ya, je vais porter ça demain, c'est moi qu'on va insulter demain. C'est moi qu'on va insulter demain. Bon, quelqu'un se lève, commence à. Ma chérie, mon gars, papa Fodja, il a une fiche de paye. Il travaille depuis qu'il arrive en France. Il a chômé peut-être un an, après il allait en formation. Depuis qu'il a connu papa Fodja, il n'a jamais été chômeur. Il y a une seule fois qu'il a eu perdu son travail à Paris. Il a fait un an, il ne travaillait pas. Quand nous sommes arrivés, il est allé dans sa formation. Mon homme, c'est quelqu'un qui a une fiche de paye. C'est un père digne. Chaque fin du mois, il donne à manger à ses enfants et à sa mère. Il ne s'amuse pas avec sa famille. Lui, il ne manque de rien. Dans les faux profils, je ne gère pas leurs agitations ou leurs comportements. Je ne vais pas me dire que, je ne vais pas me dire avec faux profils que, allant enlever vos faux profils, ne me soutenez plus. Pourquoi? Pourquoi elle veut leur dire ça? Si je n'ai pas la force de venir reprendre quelqu'un, mais faux profil reprendre ma place, tant mieux. Et si vous en prenez à moi, ils vont continuer à vous insulter. Mais je ne veux pas que mes faux profils insultent les gens à tort. Parce que si mes faux profils insultent quelqu'un ou quelqu'un qui me soutient, insulter quelqu'un à tort, ce n'est pas bien. Il faut que cette personne-là, peut-être, cet attaquant à moi, c'est là où on peut dire que oui, là, vous avez raison de répondre. Pas répondre pour répondre. Il ne faut pas attaquer pour attaquer. Et je connais, mais le moyen n'attaque pas comme ça. Comme nous sommes peu, on se dit qu'on ne peut pas là. Quand vous d'autres sont disaient qu'ils sont les plus forts, vous avez insulté qui est mort. Parce que je vous dis que vous insultez les gens sur la toile, vous avez insulté qui est mort. Moi, j'ai pu au moins plus de 10 kilos encore. Hein. Tellement je mange bien, je dors bien, je me bide bien, je suis épanoui, je suis tranquille dans ma tête, je ne manque pas quelque chose. Je remercie le Seigneur, j'ai la santé, c'est le plus important.
Le reste, c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas envie d'être milliardaire, ni millionnaire. La vie que Dieu m'a donnée là, il y a des milliers de personnes qui rêvent à voir cette vie et qui n'en ont pas. Alors je me contente de ça. Je ne vais pas aller accrocher ma main où je ne peux pas. Je me contente de ça. Quand je vois les gens qui sont au Maroc, les jeunes qui meurent tous les jours, les enfants qui meurent tous les jours dans la Méditerranée pour rejoindre l'endroit où je suis. Pourquoi je vais me pleurer sur mon sort? Je dois plutôt dire merci Seigneur. Il y a certains qui ont dit que j'ai beau appoyer. Non, j'ai pris Suissaire quand j'arrivais en Europe. J'ai pris Suissaire du Cameroun pour l'Europe. Mon pays d'accueil, c'est la Suisse. Je suis arrivé en Europe avec Suissaire. Le seul pays où j'étais à l'aventure, c'était le Gabon et la Guinée équatoriale. En dehors de ça, je ne connais même pas au pays que j'appelle le Maroc, les Bama. Je ne connais pas là-bas. Et à Malabo, je n'ai pas duré en Malabo. Le pays où je suis resté longtemps, c'est le Gabon. En Malabo, je n'ai même pas fait 2 ans en Guinée équatoriale. Même pas 2 ans. Peut-être 1 an, 7 mois. Pour moi, je n'appelle pas ça. La vraie aventure, c'était au Gabon. Donc, je remercie Dieu de m'avoir donné cette petite vie. Même en Europe, il y a même ceux qui n'ont même pas cette stabilité que j'ai là. Ce confort que j'ai. Il faut que j'aille. D'autres se barrer avec le blanc et te dire que c'est ma maison, c'est pas ta maison. Parce que moi au moins, je me bats. Je me bats. Donc, et pour vous dire aussi que les réseaux sociaux, mais ça ne vous découragez pas. Les réseaux sociaux, il y a l'argent dedans. Donc, ceux qui nous disent souvent qu'aller travailler là, je peux rester sur Facebook et gagner mon argent. N'oubliez pas qu'il y a les vêtements de Tata Lolo. Venez aussi m'encourager. Moi, je ne vends pas la chinoiserie. Je n'envoie pas moi-même le moyen à insulter les gens. Aïa, Lili, je n'envoie personne à insulter les gens. Comment est-ce qu'elle va insulter quelqu'un? Je n'ai pas moi ma caméra, j'insulte. Papa, quand il va insulter, il va les gens, regarde-moi, c'est toi. Moi, quand je vois d'abord quelqu'un qui. Tu sais, les gens aiment se donner une image qu'ils ne sont pas. Ils aiment trop faire le bruit. Moi, quand je vais faire mon clash, je t'observe d'abord bien. Je regarde ton point faible et c'est là où je t'assomme. Je te prends là. Et j'aime étudier mon adversaire. Quand il veut clasher avec quelqu'un, je t'étudie. Je sais que ici, là, je n'ai pas besoin de prendre de faire 10 directs sur toi. 2 ou 1, ça finit. Tu ne m'oublies jamais dans ta vie. Tu confirmes que on t'a touché. C'est comme ça. Le vous est là. Vous. Nous, on aboie mort. Nous, on aboie. On ne mord pas. Mais quand il faut mordre, on mord. Ça laisse les séquelles. Voilà, on me suis pas la fête de Bami Power. Oh, c'est elle qui a créé Bami Power. Oh, c'est elle qui... Mais, Dieu a créé Bami Power. Tu crées juste Mamleke. Mais, quand il a créé les bails Kangfang Betty, les bails 100% Bassa, qui ignore qu'il y a le tribalisé sur la toile? C'est les gens qui n'ont pas vécu qui sont des tribales. C'est les gens qui n'ont pas vécu, c'est les gens qui sont restés dans les fins fonds du Cameroun, qui ont l'esprit, qui aiment diviser les gens. Moi, je ne suis pas tribalé parce que j'ai vécu. J'ai vécu avec tout genre de personnes, tout genre d'ethnies. Les Gabonais, ou les ceci, ou les... Donc, je ne vois pas où je vais me commencer à être dans le tribalisme. Ce n'est pas mon truc. Mais je vous ai montré que si je peux le faire. Je vous ai montré que je peux le faire. Qu'à tout moment, je peux faire comme vous. Je peux laisser les séquelles. Ce n'est pas que je suis tribaliste. Mais le Lomania, des autres ennemis, elles ne vont pas lâcher. Comme ma fille, il dit Gaël Bayan. Comme la reine mère de Lomania, Julien Zombie. Elle est sur Awa. Mais elle n'est pas partie. Si même le Lomania, les filles calmes. Elle veut le mettre dans l'autre, tu as laissé Mami Power. Dis Mami Power, elle dit, elle ne dit pas. Mes filles calmes. Les filles petites qui me. Et les filles petites me soutiennent beaucoup. Hein. Vous me faites souvent une affaire, vous savez que les gens me font. Elle veut que dans le alors dis Mami Power. Elles allaient l'amuser. Parce qu'elles ne sont pas tribales. Elles ne sont pas tribalistes. Elles allaient les élever de voir les gens faire ça. Nous, pour les têtes, de créer les faux trucs comme ça. Elles n'étaient pas contentes. Donc, à un moment donné, quand elles essaient de fouler, ça vous énerve. Eh, mes gens. Donc, il y a dit que mes filles bêtises, mais dans l'autre, tu ne fais pas ma vie, pas moi. Parce que c'est là, elles savent que.
Elle savait qu'au fond, c'était de la rigolade. Que elle savait, par exemple, les personnes qui me connaissent, que Tata Lolo n'est pas comme ça. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour animer la galerie. Qu'elle ne se lève pas vraiment, c'est seulement qu'elle est ici. Elle veut aussi, c'est bon, elle veut aussi s'exprimer. Qu'à un moment donné, il y en a ras le bol. Que c'est devenu quoi? Elles savent que je ne suis pas tribaliste. Elles le savent. Les parents me disent que Tata Lolo n'est pas comme ça. Mais il y a des gens qui sont tribalistes sur la toque. Quand tu vois, que mais arrêtez un peu, dis donc. Arrêtez. Tu ne peux pas être blogueur, tu es tribaliste. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand moi, je gère un problème, comme le problème du gars là qu'on appelle, on appelle qui me Mbappé, ou c'est Mbappé, et Palais. La femme de Palais m'avait dit qu'elle va se marier. Le jour même qu'elle est partie à l'ambassade, elle m'a envoyé les messages. Tout. Il était au courant de tout. Et même qu'ils sont mariés, c'est moi, il a dit que reste tranquille, marie-toi d'abord. Parce que l'homme africain est mauvais. Il peut même passer par tous les boucans où tu vas pouvoir aller dire ton nom à la mairie. Bloque ça. Je lui ai donné les conseils, elle peut vous dire. Que je lui ai donné les conseils, que non, maman, calme-toi. Fais ton mari en solo. Je savais qu'elle devait se marier. Elle a même déjà payé sa robe. Elle causait avec moi. Qui peut imaginer que causait avec la fille là? Je causais avec elle. Mais la dernière fois que son gars a commencé à me dire qu'elle m'a appelé, je n'ai plus pris. Je n'ai pas pris. Les gens ont dit que le gars là est Bassa, que j'ai parlé de lui. René Star de Lille. J'ai parlé à Papy de Lonsa, comme un chien pourri. Pourtant, Papy de Lonsa, c'est un gars de mon village. Je l'ai parlé comme un chien pourri. C'est mon gars de mon bien, mais j'ai insulté Papy de Longchamp. Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu? Et j'ai laissé ma télé à René, ça dit que exprime-toi, finis avec Papy. Donc, dis ce que tu as dit. Si c'était parce que, si elle fait la commune, je devais un jour inviter René Star dans ma télé. Pourquoi? Je ne devais jamais le faire. Mais vous voulez qu'elle s'exprime? Au lieu, Papy est dans son coin. Elle est dans son coin. Ils ont arrêté tout ça. Donc, le tribaliste ne paye pas. Donc, tellement, tu as dit que quand elle se lève, il y avait un campagne. Ouais, moi, je vivais ça. Il y avait 100% ça. Ouais. Le gars, je vois même, il ne fait même plus les directs. Il est là, il habite ici à Strasbourg. Parfois, il fait souvent les directs quand il insulte les Américains. Mais le gars, c'est comment? Un jour, je suis même entré à son direct pour aller tchamber avec lui là-bas. Je prenais ça sur moi. Tu peux là-bas, tu te vois quand il y avait les émissions télé et camp. Je ne disais rien. Mais un jour que je me suis dit que bon, quand c'est qu'on s'agace, mamie, pas, ça énerve les gens jusqu'à. Mon frère, il y a quoi? Si elle n'est pas félicité, et pas les. Pardon, elle est là-bas dans son film. Cindy Fosforce. Maman, pardon. Son dossier est trop grave. Elle peut m'amener de parler du gars là. Hey, maman, il parlait. Il accompagne son grand mariage. Moi, c'est un bang, non? C'est un bang. On va faire comment? Ça, c'est que l'angas est marié. Elle aura son taolo. C'est ça qui est important. Mais les choses comme ça, on ne fait pas ça aux yeux du monde. Vous voyez, Dieu qu'on voit là, les gens disaient que Dieu ne vit, Dieu n'existait pas. La nature nous rattrape toujours. Il faut faire très attention. Dans la vie, même pour l'argent, il faut garder son honneur et sa dignité. Il y a des choses, même si tu veux faire, hein, laisse que c'est les gens qui viennent attraper pour dire que maman vous attrape en train de faire. Ne montre pas aux gens. Parce que Dieu est là en colère. Il est très là en colère. Quand Dieu veut te punir, quand Dieu veut te punir, tu te demandes que j'ai même fait quoi. Il est lent en colère, mais il se fâche. Et quand il s'abat sur, quand la foudre de l'éternel s'abat sur toi, tu te poses toutes les questions du monde. Même le plus grand gangan ne te guérit pas. Même le plus grand médecin, la maladie que tu as, quand tu veux la santé, toi tu ne trouves pas. Et ce qu'on fait en cachette, on ne fait pas aux yeux du monde. Parce que le jour que Dieu dit que je vais te faire, il y a les femmes ici là, qui vivent dans la maison avec son, elle est avec le white, son gars noir est là dedans, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Parce que elle se dit, je vais aussi aider mon gars. Mais quand vous voulez montrer, c'est comme si vous faites de la concurrence avec quelqu'un. Tu vas commander que oh, l'homme c'était riche. Oh. Maman, la fille, si maman, elle roulait ses mains dans la voiture. Elle roulait ses mains dans la voiture. Elle avait la humeur. Elle était ceci. Ouais, pourquoi elle est devenue comme ça? Elle était avec les blancs. Allez à quoi? Vous voyez voir toutes les femmes qui sont dans les caisses de cigarettes là. C'était les femmes que quand elles partaient,
Elle ne sortait pas n'importe quel blé, elle sortait même avec les directeurs des sociétés. En Afrique, mais aujourd'hui, elles sont zéro macabre. Elles sont zéro macabre. Aujourd'hui, elles sont zéro macabre. Pourquoi? Parce que c'est quoi ça? Moi j'aime pas quand tu m'as. C'est quoi ça? Tu m'envoies les trucs. Oh, je connais même pas de quoi il s'agit. Faut pas venir me brûler au messenger avec les photos. J'aime pas qu'on m'envoie les photos comme ça. Hein. Tu m'envoies toutes les photos par rapport à quoi? Ça vous garde remplir la galerie des gens. Donc. Bonsoir le président Boabala de Belin. Le Loma dit bonjour au président. La panthère du zoo a fait quoi? La panthère du zoo, maman, pardon, la panthère du zoo, c'est, elle fait, je contrôle la panthère du zoo. Bernard Matini. Je peux contrôler la panthère. Quand j'écris même la panthère du zoo, elle ne me répond pas. Elle ne me répond jamais. La panthère du zoo ne me répond pas. Elle ne me gère même pas. Elle fait comment? Je sais qui est la panthère du zoo. Je vais aller dans sa main l'attraper. Je connais qui est la panthère du zoo, mon frère. Peut-être là, c'est pour mon problème d'avoir en fait pour j'ai que. Elle est convaincue qu'elle avait Tata Lolo. Elle soutient comme elle peut. Est-ce que c'est moi qui contrôle les Lomaya? Voilà Pamela Criquet. Je connais le nom là. Les Lomaya, c'est malade. La panthère du zoo, c'est un pauvre profil qui s'en fout. L'autre président est Boabala. Il y a Mafo Yomeni qui te dit bonsoir. C'est un pauvre profil qui s'en fout. L'autre, je l'ai même ramassé ma petite soeur. Maman, j'ai même eu peur qu'elle va clasher ma petite soeur. Hein. Je suis allé dire à Rêve que maman, tu causes quoi? Tu parles du quoi avec les faux profils, ma soeur. Elle dit que non, Lolo, il faut l'écrire, qu'elle efface nos commentaires là. On va dire que je dis que maman, moi-même, ça me dépasse. Est-ce qu'on contrôle la panthère du zoo? Elle me sait, on dit que la panthère, elle est vraiment la panthère du zoo. Hein. Je suis moyen dépassé. Je vais aller signer son faux profil. Je vais aller bloquer sa page. Je vais aller faire comment? Non. C'est Lolo à bois et puis quoi? Ouais, pour mon fils, vous êtes grave. Saluez votre président. Notre président est Boabala de Berlin. Le président élu de Lolomania. Le président élu de Lolomania, c'est lui. On va mettre sa chanson quand le président est venu. Notre président élu. Maman, la fin du président élu. Notre président élu, c'est Boabala. Et Boabala, on est ouais. Ouais, les gens de la politique, on me tient. Notre président élu. Notre président. Elle s'appelle un mot qui. Ouais, ok. Donc. Dolo est un moulema. Dolo est un moulema. Et ma boule dans le moulou. Ah, c'est lui qui m'a fait aimer cette chanson, hein. Les filles doivent laver le nyanga. Je te jure que c'est le président Boabala qui m'a fait aimer cette chanson. Hein. Je n'avais jamais écouté ça avant. Parce que c'est toi l'élu. Oh. Notre élu, notre président élu. C'est toi mon élu. Parce que c'est toi l'élu. C'est toi mon élu. Les filles côtières avec le nyanga. Maman, elle a ri coton. Les filles, si elles se vantent, les filles côtières.
Baron pour de monter mon fils unique, c'est toi l'élu, c'est toi mon élu. Oh, la chanson est travaillée, maman. La chanson est travaillée. Président Boabala, notre élu. C'est l'élu, notre président élu. C'est toi mon élu. C'est toi l'élu. C'est Ruth Koto, l'élu. C'est toi l'élu. J'ai dit que c'est le président Bois qui m'a fait aimer cette chanson. Je vous montre. Je ne l'avais jamais écouté avant. Une fois, il a mis. C'est quoi? Comment on fait pour mettre pause, non? Bon, c'était pour dire bonsoir à notre président Boabala de Berlin. Happy birthday encore une fois de plus. Mon président Boabala, voilà ton fils, est Baron Point de Monté. Donc, comme je disais tantôt, que les Lolomania, je me porte très bien. J'ai travaillé, j'ai bossé. Donc, je ne contrôle pas les faux profils, quoi. Même mon fils unique, le baron Pandé Monté, quand il n'est pas attaqué là-bas, est-ce que je... Parfois, il lit c'est moi ses commentaires, il dit que, aïe, l'enfant, il fait quoi ici? Il dépose, il part. Ou il est encore écrit, là, il ne gère plus. Il a fini avec vous. Donc, c'est comme ça. Je ne contrôle pas les faux profils. Mais je ne vais pas dire à la panthère du zoo que, bloque ton corps. Non, comment il va dire la panthère du zoo? Je connais la panthère du zoo. La panthère du zoo est venue faire son travail. De venir faire ces choses sur Facebook. Si elle bloque la pandémie, donc si vous voulez que la pandémie se retourne sur moi, comment m'insulter? Jamais. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, les, voilà un autre encore qui est venu parmi la criquet. C'est encore que. Emani, tout le monde, les Lolo Mania, les Cindy Force Force, les Bado l'Allemand, les Lolo Gloria, les Vito, Elvira Vittoria. Il y a tout, y a, c'est tellement beaucoup. Les Momo Stone. Les Foucault Mandian, c'est maman. Les Santa Barbara. Les Femmes ta bouche. Bon, t'as dit là que je fais ce que je veux. Tu me je ne contrôle personne la panthère du jeu. Je veux contrôler qui est les. Moi, on va me monsieur embrouiller que aïe, on va me laver. Donc, si les faux profils pas s'attaquer là-bas. Tu viens d'attaquer à Lolo, tu vas dire que Lolo, c'est ce jeu. Ah, maman, l'injure là, ça ne remplit pas tes abonnés. Moi, j'ai mes abonnés aujourd'hui. Je vais fêter mes 200 000 abonnés bientôt. Ça n'est pas donné, maman. 200 000 abonnés. Ma page n'en a pas 200. Hein. C'est le travail. Ouais, j'ai jamais boosté ma page. C'est le travail. Mes 200 000 abonnés vont m'aider à vendre mes habits. Les filles, venez acheter les habits à Tata Lolo. J'ai présenté les habits la dernière fois. Voilà. J'ai mes petits vêtements que je vends. Je fais aussi mes publicités. Quand quelqu'un a besoin de faire une pub, je fais la pub.
Et c'est comme ça. Quand il y a une actualité ou il y a un truc qui, de la, voilà, qui fait le buzz dans les réseaux sociaux, j'en parle. Si vous croyez que moi, je m'assois là, il y a les gars là qui ont la rage et que Lolo ne nous répond pas. J'ai appris que maman Ouattaramo était là-bas, j'ai l'Ouganda hier. J'étais à Paris, je vais courir la porte là. Maman Ouattaramo. Je te dis que mon fils Baron Pardo monte, il y a des scènes dont. Aïe, Lili. Lolo, compte cette profil, tu sois qui est derrière. Ton profil à toi. Lili. Aïe, Lili. Je ne sais pas qui est derrière. Même la panthère du jeu, je ne sais pas. Fanta Barbara non plus. Je ne connais pas. Ferme ta bouche, je ne connais pas. Par contre, Lolo Gloria, je la connais. Autre câblage, je la connais aussi. Mais le reste là, je ne la connais pas. Ah, pardon, nous autres, est-ce que tu veux faire comment? Mais le moment, vous laisse. Il est 20h. Je vais vous laisser. Je vais me reposer. Papa, faut être... il est rentré là. Je vais attacher la poubelle là. Je vais aller jeter ça là-bas. Je vais dormir parce que demain, c'est une nouvelle semaine qui commence. N'oubliez pas de passer vos commandes. Et en passant, mes Lolomania, cette semaine, Tata Lolo prépare son voyage pour le Cameroun. Parce que, à un moment, avec le Covid, si, j'ai envie d'aller voir mes frères. J'ai envie surtout mes frères, mes soeurs, mes cousines, mes petites soeurs que j'ai au pays. J'ai envie d'aller me ressourcer un peu. Mais je ne vous dirai pas la date et le jour. Donc, et pour cela, j'ai fait beaucoup de dons que les gens n'ont pas vu dans les réseaux sociaux. Mais j'ai fait des dons énormes au Cameroun. Que si c'était moi qui étais présente, ça devait beaucoup parler. J'ai fait beaucoup de dons. Et j'ai décidé de faire un don au Cameroun, parce que vous savez, la zone anglophone traverse une crise depuis bientôt 4 ans et j'ai pensé aux déplacés de Bamenda. J'ai pensé parce que j'avais vu ça sur la page de Lady Ponce. C'est Lady Ponce qui m'a fait découvrir cet endroit. C'est Lady Ponce qui m'a fait découvrir ça. Elle était allée là-bas, je crois que c'était à Bepanda ou quelque chose comme ça. J'ai vu où ces gens-là vivent. J'ai eu très mal au cœur. Et je m'étais promis que le jour où j'irai au Cameroun, je ferai un tour là-bas pour les apporter mon soutien. C'est Lady Ponce. J'irai encore regarder sur la page de Lady Ponce là-bas. Je crois que je vais retrouver cet endroit-là. Parce qu'elle comptait aller faire un don là-bas. C'est un endroit où il y a beaucoup d'enfants, des mères d'enfants. C'est les déplacés de Bamenda. J'ai une fois apporté mon soutien à des déplacés de Bamenda. Ça n'avait pas fait effet. Il y avait la connexion qui dérangeait. Il y avait trop de bruit. Bon, et les filles ont fait le peu qu'elles pouvaient. Elles se sont battues. Elles ont fait quelque chose de bien. Elles ont apporté les dons. Elles ont vraiment aidé. Voilà. Et il y a une Lolo Maya qui m'avait donné un ballot d'habits que j'ai gardé. J'irai leur donner ça. Et j'aurai besoin de vous. Parce que je ne vais pas arriver là-bas juste avec la nourriture. Il y a beaucoup de premières nécessités. Et pour cela, ça sera notre première sortie officielle avec moi-même, ma présence sur les lieux. Je le ferai. Donc, je vais faire un litchi à partir de demain. Mais comme vous savez que Tata Lolo a beaucoup d'ennemis sur la toile, des personnes qui ne me veulent pas du bien, je vais cacher la somme d'argent et des personnes qui veulent cotiser à la... Tata Lolo, pourquoi tous les blogueurs parlent que des déplacés des zones anglophones? Le septentrion vit pire avec les bombes artisanales et des coupeurs de route. Astrid Ngambe, quel blogueur qui parle des déplacés de Bamenda? Le septentrion, c'est où? Moi, je ne connais même pas où tu dis. C'est où? C'est au nord. C'est au nord du Cameroun parce que je ne sais pas trop. Hein. Astrid Ngambe. Je sais pas, essaie de me situer où se trouve le septentrion. C'est où ça?
Donc, moi, je parle de dépasser les barrières d'apparence. C'est quelque chose que j'avais dans le cœur depuis. J'ai bien expliqué que j'avais ça dans le cœur depuis. C'est pas un truc que j'ai eu aujourd'hui. Et puis, Bamenda, je suis attaché. Oui, mais je peux parler au grand nom maintenant, ma chérie. Vu l'insécurité qu'il y a là-bas, non. Je peux pas. Je peux pas, sinon je serais allé. Voilà. Je peux pas aller au nord. Je peux pas. Je veux un endroit où je serais sur le terrain, quoi. Ah, voilà. Je savais pas que c'est comme ça qu'on appelait ça. Merci pour le... Donc, Bamenda, je suis attaché avec Bamenda parce que Bamenda... c'est pas bon ce qu'ils vivent en ce moment. Le nord est dangereux, mais non, c'est très loin. Même à Bamenda, je ne pourrais pas. Je peux bien aller en Bamenda parce que Mambombo vit à Bamenda. Mambombo à moi. Elle vit à Bamenda, mais je ne pourrais pas. Elle viendra me retrouver à Douala quand je serai là-bas. Donc j'ai choisi de déplacer Bamenda parce que c'est un truc que j'avais dans la tête depuis très longtemps. Depuis le jour où j'ai vu ça sur la page de Lady Pons, ça m'a beaucoup affecté. Donc j'irai faire un don là-bas. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc je vais mettre un litchi spécialement pour ça. Et je vais vous rendre compte. Oui, elle m'a expliqué. Je vais vous rendre compte de toutes nos dépenses. Donc ce qu'on va acheter, ce qu'on va donner, je vais vous rendre compte de toutes les dépenses qu'on a pu faire. Maintenant au Grand Nord, peut-être ce sera la prochaine fois. Oui, à Sringambe. J'ai dit, il y a Mambombo qui vient à Bamenda. Non, je t'ai dit ça. Mambombo va à l'école à Bamenda. Non, mais je ne peux pas, gars. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller à Bamenda pour le moment. Là. Non, je ne peux pas. Je peux faire aider ceux qui sont les déplacés qui sont à Douala. Là. C'est très dur pour eux. Donc, j'espère que, Melolomania, vous allez me soutenir dans ça. Je serai au Cameroun. Je serai présente ce jour-là. Et nous avons 2 mois pour cotiser dans le litchi. Donc demain matin, je ferai un litchi pour ça. Je vais déposer un litchi pour aider. Donc, le litchi sera ouvert pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous avez la possibilité de mettre ce que vous pouvez mettre. Et ça sera géré par notre baron Prado Monté. Au niveau du Cameroun, il y aura la reine mère de Lomaya, Julien Zombie. On va faire les comptes ensemble. Tout ce qu'on va dépenser, je vais tout publier sur la page à cœur ouvert. Hey, Lolo vous dépasse, bonsoir. Et le parrain de la cœur ouvert, et c'est la belle famille de ton président. Bien sûr, le président Boabala. Le parrain de la cœur ouvert, le président Boabala de Belin, il va apporter sa grosse contribution parce que c'est le parrain de la cœur ouvert. Et maman Chantal, ici, c'est la marraine d'accord ouvert. Chacun de le parrain et la marraine, ils vont soutenir aussi. Parce que nous, c'est quelque chose, comme a dit le président Eboabala de Belin, sa belle famille est anglophone, ils sont de Bamenda. Donc c'est l'occasion pour lui d'apporter encore, parce qu'il le fait déjà, hein, depuis 3 ans, il envoie l'argent là-bas chaque fois. Mais il faut que ce jour-là, il soit représenté par la télé, la page à cœur ouvert, le parrain de l'Oumaya. Maman Karen, qui va la Bamenda? Tu ne peux pas aller Bamenda, maman? Je ne peux pas. J'ai vécu la guerre du museau là depuis le début. Lolo vous dépasse. Tu es où depuis, non, ma chérie? Je te vois même plutôt active. Tu as peur qu'on bloque ton compte. Lolo vous dépasse. Où est le chita, maman? Tu es sur la petite amande. Lolo vous dépasse. Hier, je suis putain la belle qui a mené un commissaire là. Je suis passé, c'est dedans comme un taxi plein. Lolo vous dépasse quand elle doit commencer à parler les gens. Elle amène de l'eau. Le commissaire là ici. Je suis Sawa du sud-ouest. Aussi on souffre. Le sud-ouest, c'est tout ce qu'on appelle le Nozo, non? Tous ceux qui sont là-bas à Bamenda, ce sont les gens du Nozo. Nozo, c'est le sud-ouest. Hein? Sud et ouest. Sud-ouest et ouest, le Nozo. C'est ça, non? C'est le sud-ouest et le nord-ouest. C'est quoi que ce soit? Nord-ouest, sud-ouest. Donc, tous ceux qui sont là-bas dans la maison, là, ils viennent du Nozo. C'est les déplacés du Nozo. Donc, il y a les gens du sud-ouest dedans. Il y a tout ça, ils sont dedans. Il y a au moins plus de 300 personnes là-bas. J'ai vu avec mes yeux. Et le monsieur là, c'est bas. Donc, moi, c'est là-bas que j'irai. Peut-être la prochaine fois, nous irons au nord. Mais
pour ma première sortie officielle, pardon. Mais Lolo Maya, ne me faites pas la honte. Ne me faites pas honte. C'est cette fois. Parce que tata Lolo fait les dons, on dit toujours qu'elle ne fait pas les dons. Ou ce qu'elle avait donné à maman Koumateke, là, c'était pas le don. Ou ce qu'elle donnait à mon village demain, c'était pas le don. Ou ce qu'elle fait, bon, je ne sais pas si c'était le don. Mais là, nous allons le faire. Je serai sur le terrain. Je vous souhaite un bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon président Boabala pour le nord-ouest, sud-ouest. C'est le Nozo, non? Oui. Nord-ouest, sud-ouest, c'est le Nozo. Donc ceux qui sont là-bas, ils sont au moins plus de 300 là-bas à Bepanda. Nous irons aider. Il faut me chercher les matelas, les draps, les moustiquaires pour les enfants. L'endroit là est trop dangereux, bah. C'est là-bas. Il faut vraiment. Donc comme je pars là, j'arrive à Douala la même semaine. Je me lance déjà dans, pour aller sur les lieux, pour aller regarder, rencontrer des personnes, les responsables de cet endroit, pour discuter avec eux, regarder les lieux moi-même, voir ce qu'il faut. Le lendemain, je suis allé dans le marché pour aller commencer à faire tout, 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 tout. Nous aurons peut-être une semaine de préparatifs. Donc, j'aurai une semaine spécialement pour ça. Et puis, j'irai dans mon village pour aller nettoyer et dire bonjour à ma maman et à mon papa pour me recueillir sur leur tombe, pour dire à ma mère que je l'aime et qu'elle vit toujours en moi, pour dire au commissaire priseur qu'il est la star Facebook, même dans sa tombe. Pour dire au fils commissaire, au commissaire Pizet, que je suis fier de lui, que je suis fier d'avoir eu un papa comme lui, à mes parents aussi. Et après, j'irai à Kribi pour dire bonjour aux personnes de Kribi. Astrid Gabé, j'étais déjà à Bonaberry, j'irai à Bepanda, d'accord? Comprends comme ça, j'irai à Bepanda. Je n'irai pas à Bonaberry, j'irai à Bepanda. Pour le moment. C'est, l'argent ne sort pas. Et moi, je vais mettre une bonne partie. Mon enveloppe, ce sera déjà, c'est officiel, quelque chose de bon. Et avec ce que vous allez donner, si tu dis qu'il y a à Bonaberry, on va d'abord s'occuper de ceux de Bepanda. Et peut-être avec, avec le temps, si je repars encore, on va essayer de regarder pour Bonaberry, comme tu as dit. Après, je vais rentrer à Kribi. Je vais faire un week-end à Kribi, hein, parce que Kribi, là, me fait déjà même peur. Voilà, ça me fait peur parce que je n'ai plus envie d'aller là-bas, quoi. Je vais juste aller là-bas parce que je veux voir mes frères aussi, hein. Mes grands frères, je vais à Kribi, je vais faire un week-end. Après, je remonte à Yaoundé et puis je finis mon séjour à Yaoundé, je rentre. C'est tout. Et on va voir si on va nous envoyer au Kodengi. Bon, bah, on ira. Bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Je ne vais pas effacer le direct. Là, parfois, j'efface souvent, mais je ne vais pas effacer. Continuez à aller soutenir nos artistes. Je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté au fils de Papa Fodja. Je pense que les gens là, ils font la combine. Parce que le fils de Papa Fodja, quand il monte à 3500 vues sur YouTube, son adversaire monte à 3700. Quand il essaie un peu de le rattraper, son adversaire monte. Je sens qu'il y a un peu à la combine là-dedans, mais ce n'est pas grave. Il a fait 4000 vues. Je remercie tous les blogueurs, la Veuve Joyeuse, qui a publié sur sa page. Je remercie Antoine Bachot, qui a publié sur sa page, notre premier ministre, le PM. Je remercie la maire d'Uganda. Soutenez toujours la maire d'Uganda. Je remercie le blogueur ivoirien DJ Publicité de Londres qui a aussi fait ça. Je remercie aussi tous mes followers et les sympathisants qui se sont mobilisés pour que le fils de Papa Fodja et notre futur Jay-Z puissent avoir ces nombres de vues qu'il y a eu sur YouTube. Quand il sait qu'il y a même des artistes qui n'en ont pas. Mais lui, il a eu ça en une façon de seconde. Merci. Continuez à soutenir notre artiste, notre icône, Maman Chantal ici. Je remercie Eva Longoria. Elles ont partagé sur leur Instagram et leur TikTok. Je remercie Louise Gloria qui a partagé aussi dans ses pages. Merci maman pour le travail. Je remercie aussi Ethan qui n'arrête pas d'embêter ses sœurs. Je remercie Louise Gloria et Eva Longoria. Merci mes filles, mes filles chéries, je vous aime. Je remercie tous mes lolomayas qui sont mobilisés tous pour aider notre enfant. Oh, merci Aurore Angoula. Ah, merci beaucoup, pardon, Monte. Je n'ai même pas regardé la page d'Aurore. Notre chroniqueuse de talent. Aurore Angoula, il faut que tu viennes travailler avec moi à cœur ouvert. Aurore Angoula, viens, je suis à cœur ouvert. Pardon, Monte, les invités auront chaud. La femme, là, elle est pauvre. Aurore Angoula, le genre, les Wakatolo. Quand tu as les poils, qu'elle colle sur toi comme la censure. Hey, Waka. Non, Waka Tologue.
Parfois, je reste comme ça. Je pense à Wakatolo, je commence à rire seul. Je dis que l'Angala est même, ouais. Ma Wakatolo, aïe! Hey! Quand je pense à Wakatolo, je commence à rire dans la maison. Je dis que Wakatolo, merde, tu as les points qu'elle, elle colle sur toi comme la censure. C'est la même jambe au Rangoula. Maman, elle signe que sur sa cible. Ouais, Angoula, tu es grave. Non. Wakatolo m'a traumatisé sur Facebook. Elle avait signé sur une fille là qui fait le dire sur les noirs. Aïe. Mon baron, pardonne-moi de connaître ta cible sur Facebook. Je ne donne pas le nom. Wakatolo a signé sur la fille. C'est-à-dire que dès que la fille la faisait direct, merde. Ouais, mais là, elle est sur Aya Robert. J'avais dit à Aya Robert que ma soeur là-bas, chez Aïcha Sol, que tu as fait quoi, ma fille, là, maman? Elle dit que rien, on dit que quoi? Tu as fait un morceau de bois très dur. Elle dit que. J'ai dit, tu la connais pas? Elle dit que non, c'est une femme qu'on suivait, que quelle femme? La femme là qu'on vous montre sur Facebook là. Tu peux. La voiture que la fille là roule avec maman. Laisse les affaires qu'on dit là. C'est qu'elle te montre là souvent là, c'est la vérité. La voiture où, dans laquelle elle roule. Sa maison seulement. Quand elle fait les vidéos, c'est pas faux, hein. C'est la vérité. C'est une fille qui est assise. Mais elle laissait sa distraction sur Facebook. Elle m'a dit, tu as sa photo. Elle dit que non. Si elle avait dit à la Robert, je l'ai accueilli sa photo. Elle a dit que maman, donne-moi. Ouais, fille. Ouais, Aya Robert. Elle n'est pas. J'ai plus ça. Elle dit la vie, qu'elle aime bien. Je l'ai vu avec mes yeux comme ça. Elle est belle comme Beyoncé. Elle dit qu'elle a bon, elle vit. Ah, Facebook, pardon. Ouais, merci beaucoup, Aurore Angoula. Aurore, une fille a vu quel est le problème. Je vais faire les paroles avec Marlène et vous. Aïe! Pareil, vous laisse. Après, on va encore commencer les conseils, on va aller m'insulter. Mon fils unique, je te contacte tout à l'heure, on va causer pour le litchi là. Mais le Lomaya a passé un bon début de semaine. Continue à la soutenir, notre artiste, notre icône, notre maman, comme on appelle Patient Zabani, la maman Patient Zabani, Machan, c'est notre maman, la Machan. Soutenez l'artiste. Nous allons finir en musique avec d'abord, on va mettre la musique de Machan. Après, on va finir avec Patience Dabani, la maman du Gabon, la maman de l'Afrique. Donc, non, mon baron, tu es tout dedans. Tu es tout dedans, tu mens. Bon. Cameroun est la direction, il a que 150 000. Ne maya, boya, 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 boya. Mais on a ces régions, où il y a un petit dégagné. Dans son évamine qui revêtit sa voix. Voilà, Yuki, les transferts. Aïe, Mouna, l'unité promette comme le nom. Comment on ne vous appartient pas? On ne vous appartient pas seul. Il n'y a pas que les bambiers ou ça. Les bêtises sawa, il n'y a pas que les bandiers, il n'y a pas que les aoussa, il n'y a pas que les bassins et les anglophones. Il n'y a pas que les bandiers, il n'y a pas que vous et les petits baboya. 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 Paris.
Encouragez l'artiste sur YouTube, s'il vous plaît. On va finir avec la mama. Patience d'abord. Découvrez les masques tissus de Garnier. En 15 minutes, votre peau est intensément hydratée et éclatante avec l'équivalent d'un flacon de sérum enrichi à l'acide hyaluronique et des actifs d'origine naturelle. Masques tissus de Garnier. Amis et jours heureux, car
dans ce monde, les gens sont devenus amis piques. Les faux amis sont des ennemis très nuisibles. Ils sont très méchants et vous trahissent sans regret. Tous vos secrets d'attente sont divulgués à leur profit. Quand vous êtes parmi eux, ils vous regardent de travers. Car celui qui a trahi, trahira encore. Des ennemis très visibles. Les amis faux. Des ennemis très visibles. Méfiez-vous. Les amis faux. Bon week-end, bye bye, Isabelle, bisous.